Maurice Barrès est un grand nom de la littérature française ainsi que du nationalisme moderne. Pourtant, si son importance fut considérable dans l'histoire des idées, son aura a fortement faibli et il n'est plus beaucoup lu de nos jours. On le réduit trop souvent à quelques étiquettes convenues, voire infamantes, afin de mieux le disqualifier et de se dispenser d'aller voir de plus près. Pourtant, loin d'être un doctrinaire dépassé, le symbole vieilli d'un passé lointain, Maurice Barrès fut avant tout un homme libre, dont l'énergie, le chagrin ou la quête d'absolu consonnent encore largement à notre époque avec nos propres interrogations. Or, tel est justement ce que tente de mettre en évidence Jérémy Banneton dans un petit essai consacré à l'écrivain lorrain, Maurice Barrès, le prince de la jeunesse, édité par la Nouvelle Librairie dans la collection de l'Institut Iliade. Et je suis très heureux de le recevoir aujourd'hui sur ma chaîne pour le 100e anniversaire de sa mort. Jérémy, bonjour. Bonjour Antoine. Merci d'avoir accepté mon invitation, d'être parmi nous aujourd'hui pour nous parler de ce grand écrivain. C'est moi qui te remercie, c'est quand même un honneur d'être présent sur ta chaîne, avec tant de grands noms qui y sont déjà passés. N'exagérons pas. Alors, je vais te laisser te présenter, comme j'ai coutume de le faire sur ma chaîne. Mais avant, un petit mot pour nos auditeurs. Tu es un invité un peu spécial, si je puis dire, car toi et moi, nous connaissons depuis longtemps maintenant, depuis plusieurs années. 9 ans. Ça passe vite. Et pour cause, nous avons fait nos études de philosophie à l'université de Bruxelles ensemble. Donc nous avons déjà eu loisir, durant ces années, de discuter de Barrès, de Maurras, de toutes ces grandes figures du nationalisme français et autres d'ailleurs. Je suis heureux d'avoir enfin l'occasion de parler de cet essai que tu viens d'écrire, de rédiger. Alors, en quelques mots, brièvement, peux-tu te présenter à nos auditeurs, nous parler un peu de ton parcours intellectuel, familial, militant, comme tu le souhaites? Alors, très simplement, donc, je suis belge, c'est tout de même important. Plutôt enraciné d'ailleurs, parce que j'ai vécu à la campagne et je suis né à la campagne quasiment toute ma vie, pendant 25 ans, presque 26 ans, parce que les deux dernières années, les deux dernières années, j'ai eu l'occasion de voyager en Russie, à Moscou, après mes études de philosophie, puis maintenant en Pologne, à Varsovie. Et compte tenu, plutôt, si on peut parler de mon milieu ou de mes influences intellectuelles, donc je viens d'une famille peu littéraire, en fait, et peu intéressée par les idées, une famille plutôt de travailleurs, de classe moyenne, tout ce qui est plus normal. Bon, ça m'a appris le travail pendant plusieurs années quand j'étais aux études, je crois que tu peux en témoigner sur bien des points. Et au début, d'ailleurs, je ne me destinais pas trop aux lettres ou à la philosophie. J'étais plutôt intéressé par les mathématiques et la physique. C'était mon grand domaine de passion quand j'avais 16-17 ans. Et puis, petit à petit, en fait, je commençais à redécouvrir par moi-même les classiques de la littérature avec une petite surprise à ce niveau-là, parce que je m'intéresse beaucoup à Gargantua, Pantagruel, Rabelais, Erasme, donc, et aussi Malherbe. Enfin, c'était mes premiers intérêts, avec ensuite Rimbaud, d'ailleurs, qui, d'une certaine manière, va un peu nous intéresser aussi, parce que Rimbaud est un grand poète du symbolisme, et Barrès a été lui-même influencé un petit peu, en partie, par le symbolisme. Et après, simplement, vers mes 18 ans, je me dirige, en fait, très spontanément vers des études de philosophie, sans jamais avoir ouvert un livre de philosophie. Donc, c'était une vraie découverte. C'était un peu un saut dans l'inconnu, en quelque sorte. Un complet saut dans l'inconnu. Je crois que je ne savais même pas trop qui était Platon, parce qu'on ne m'avait jamais parlé trop de lui à l'école, etc. Donc c'était un choix assez particulier. Mes parents n'ont jamais compris. Je ne suis pas sûr qu'ils comprennent encore, même maintenant, mais du moins, le mal est fait. Et comme tu le dis, en fait, deuxième jour, je crois, de l'université, on a eu l'occasion de nous rencontrer. Et en fait, c'est une rencontre qui, je te fais une fleur, qui a quand même un peu changé ma vie, parce que tu m'as ouvert au livre, à la littérature, tu m'as ouvert à la pensée, à la philosophie, et tu m'as surtout fait découvrir que des bouquinistes existaient, ce qui a donné l'occasion de nombreux voyages à travers les rues de Bruxelles pour acheter une quantité de livres non négligeables. Les bouquinistes s'en souviennent encore. Oui, tout à fait. Et notamment le premier livre de Barrès que j'achète avec toi, à savoir Un jardin sur le Ronde, qui est le premier livre que je lis. Et peut-être parler rapidement de mon parcours intellectuel. En fait, donc, au début, toi et moi, on s'intéresse comme on peut à un patchwork d'idées de droite, sans trop avoir de consistance idéologique ou de doctrine, c'est-à-dire ici et là quelques ouvrages qui sont piochés. Et la deuxième année de l'université, ce qu'on appelle en Belgique le bachelier, donc la seconde année de bachelier nous dirige petit à petit vers l'école de l'Action française. On découvre Maurras, on découvre Barrès et on découvre Bainville, entre autres, je crois, à cette époque. Oui, Léon Daudet également. Et voilà, en fait,
C'est ma découverte de Barrès qui commence à cette époque-là, donc je crois que j'ai 19 ans, et depuis lors je le trimballe avec moi, il m'a accompagné jusqu'à Moscou, et en Pologne, où j'ai écrit ce livre. Tout à fait, d'ailleurs ça a toujours été un point, non pas de friction, mais de débat entre nous, c'est que même si nous nous intéressions mutuellement à Barrès et à Maurras, j'étais un chouïa plus maurrassien et toi plus barrésien. Tout à fait. Alors justement, pourquoi t'être intéressé autant à Barrès depuis toutes ces années? Car comme tu le dis, presque depuis qu'on se connaît, tu t'intéresses à Barrès, en tout cas depuis que je t'ai conseillé ce premier roman. Mm-hmm. Donc qu'est-ce qui t'a autant passionné chez lui? Et question subsidiaire, qu'est-ce qui t'a motivé ensuite à écrire cet essai? En fait, chez Barrès, tout simplement, j'ai été envoûté d'abord par le style barrésien. Ce premier livre que je lis, qui est Un jardin sur le Ronde, que tu me conseilles, est divinement bien écrit, je trouve, à mes yeux. J'aime beaucoup sa phrase, la manière qu'il a d'amener les choses, sa cadence. Barrès est le maître de la phrase longue, et j'ai eu plaisir, en fait, à le lire. Ça changeait un petit peu de la littérature contemporaine, ou de ce que j'avais pu lire jusque-là, et j'avais pour la première fois aussi un grand styliste, en fait, devant moi. Un grand maître de l'esthétisme, pardon. Et naturellement, ensuite, et par curiosité, je me suis dirigé vers les premiers volumes du Culte du Moi, Sous l'œil des barbares, Un homme libre, Le jardin de Bérénice. J'ai beaucoup aimé, donc pour ce style dont je parle, j'ai beaucoup aimé aussi parce que mon parcours d'adolescent fait que j'ai été un homme qui a beaucoup douté sur les questions religieuses, sur la manière dont je devais vivre, et sur en fait la voie à choisir pour pouvoir mener sa vie telle qu'il faut la mener, vers le souverain bien, si on utilise les mots philosophiques tels qu'ils sont classiquement enseignés. Et en fait, Barrès est porteur de tout ça. Je trouve qu'il est porteur d'une méthode pour conduire la vie, qu'il est porteur aussi, à travers cette analyse du moi, à travers ce culte du moi, d'une éthique telle qu'on ne me l'avait jamais présentée, telle que si... elle mettait en œuvre tout à la fois le doute, l'insatisfaction et la recherche d'un idéal. Idéal est un mot très important pour Barrès, à travers notamment la question de l'enthousiasme barrésien, la question des sentiments. Tout ça m'a beaucoup parlé, et je dirais qu'en fait, j'étais agrippé par ce chemin et que petit à petit, je me suis dirigé vers les autres livres de Barrès, qui ont été la fameuse trilogie du roman de l'énergie nationale que tout le monde connaît, et puis le reste, en fait, les conférences qu'il a pu donner. Et après, dont on aura l'occasion de parler assez longuement dans cet entretien d'ailleurs. Oui, tout à fait. Oui, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Et ensuite, j'ai voulu écrire ce livre parce que quand je me suis intéressé à Barrès, je me suis évidemment intéressé aux commentaires qui ont été faits sur son œuvre, et j'ai toujours été assez déçu en fait de ne pas, d'une certaine manière, de ne pas retrouver le Barrès que j'aimais, à savoir ce Barrès de l'ennemi des lois, du culte du moi, un petit peu révolté, qui cherchait autre chose, comme il le dit lui-même, que un mouvement, enfin. Que la matière, que la philosophie du ventre, que... Un Barrès plus révolutionnaire que conservateur, en fait. Oui, c'est ça, un Barrès très anti-bourgeois, en fait. Très anti-capitaliste aussi, on aura l'occasion d'y revenir. Et donc, je cherchais ce Barrès-là, ce Barrès presque wagnérien, même, tel qu'il l'a au début de sa vie. Et je le dis à dessein pour provoquer, parce que Barrès a souvent été repris par la suite par la droite nationale et souverainiste, qui a tendance à évacuer aussi ses influences européennes et à le transformer en auteur très, très conservateur. Il s'attache uniquement aux questions de l'enracinement et du christianisme, alors que Barrès est un personnage très complexe, un personnage qui développe tout à la fois dans son œuvre un pôle politique, esthétique et littéraire, et qu'en fait, ces trois pôles se tiennent. Et je n'avais jamais lu, ou j'ai rarement trouvé en tout cas des textes qui mettaient en œuvre ces trois pôles. Je pense que pour bien parler de Barrès, il faut savoir conjuguer ensemble ces trois dimensions de son personnage. Et très très modestement, parce que c'est un premier livre, c'est ce que j'ai essayé de faire au travers de ce petit essai, du moins en me concentrant en fait sur ces premières années pour montrer comment cette intrication entre ces trois dimensions se fait. Eh bien très bien, alors cela donne déjà quelques perspectives à nos auditeurs sur ce que va être la suite de cet entretien. Alors pour ouvrir notre discussion sur Maurice Barrès, je voudrais citer cet hommage que Léon Blum, le jeune Léon Blum à la fin du 19e siècle, lui avait consacré dans la Revue Blanche. Il s'agit d'un passage très célèbre, mais dont on ne cite généralement que le début. Or, la fin me semble résonner avec ton propre ouvrage. Alors, voici ce que disait Léon Blum. « Si Maurice Barrès n'eût pas vécu, s'il n'eût pas écrit, son temps serait autre et nous serions autres. Je ne vois pas en France d'homme vivant qui ait exercé par la littérature une action égale ou comparable.
Je sais bien que cette action ne s'exprimerait pas aisément en une doctrine, ni même en une formule. Mais ce n'est pas toujours par des doctrines qu'on agit le plus efficacement sur son temps. Y a-t-il une philosophie chez Voltaire ? Y a-t-il une philosophie dans Chateaubriand ? Comme eux, Maurice Barrès a créé et lancé dans le monde, qu'il a recueilli, non pas l'armature provisoire d'un système, mais quelque chose qui tenait plus profondément à notre vie, une nouvelle attitude, un mode d'esprit inconnu, une forme de sensibilité nouvelle. Alors, es-tu d'accord avec cette citation de Léon Blum ? Et si oui, comment définirais-tu cette sensibilité nouvelle que Barrès aurait exprimée pour la première fois ? Oui, je suis évidemment d'accord avec la citation de Léon Blum, que j'aime beaucoup d'ailleurs, notamment pour la fin, comme tu dis, qui n'est jamais suffisamment citée. Plusieurs choses en fait. D'abord, la surprise, c'est tout de même Léon Blum qui parle de Maurice Barrès et qui en parle en termes élogieux. Rien que cela, je trouve, montre assez bien l'ambivalence du personnage, qui a pu être lu tant par des auteurs de droite que des auteurs de gauche, qui a pu être aimé et admiré par vraiment un panel très très large de personnalités, avec des horizons très divers. Barrès qui aimait lui-même Jaurès, qui pourtant est le grand défenseur du nationalisme, qui est anti-Dreyfusard, Jaurès était Dreyfusard. Tout ça montre la complexité du personnage et la place immense qu'il a eue à la fin du 19e siècle français. Et au début du 20e siècle, sur quantité de grands écrivains, comme Aragon, Bernanos, Drieu La Rochelle, Malraux... Oui, Malraux, exactement. Toutes ces personnalités ont été influencées par Barrès, d'une manière parfois même critique. Drieu La Rochelle est un disciple plutôt critique, on peut dire, de Maurice Barrès, qui voit dans l'homme libre le plus grand livre qui ait jamais été écrit au 19e siècle, et puis en même temps qui invitera à le brûler dans Genève et Moscou. C'est très intéressant de voir donc cette ambivalence et cette ambiguïté du personnage. Et puis, dans cette citation, il y a un autre point que Blum relève et qui est intéressant quand on parle de Maurice Barrès, c'est le fait qu'il n'y ait pas de doctrine en fait chez Maurice Barrès. Ce qui montre, et ce qui fait part évidemment de partie de la complexité du personnage, c'est Barrès est un homme qui a beaucoup douté, qui a beaucoup fluctué, qui a beaucoup flotté parfois même dans ses textes, et je ne le dis pas avec une connotation négative, je crois même qu'au contraire c'est l'origine de sa fécondité. C'est Barrès peut être tant l'homme de la terre et des morts que l'homme qui, justement, se plaint de cette présence des morts. Les morts nous empoisonnent, dira-t-il dans un de ses romans de jeunesse. Oui, tout à fait, dans L'ennemi des lois. Exactement. Et donc, ça aussi participe de cette complexité du personnage qui s'est cherché et qui, en fait, comme il le dit dans son texte sur les angoisses de Pascal, et on peut voir à travers l'admiration qu'il a eue pour Pascal, quelle a été la colonne vertébrale, en fait, de son œuvre. C'est ce qu'il admire chez Pascal, c'est le fait que Pascal est vraiment toujours essayer de chercher la voie, la vérité. Et Barrès, c'est un de ces chercheurs de la vérité qui, sans idéologie et sans préjugés, en fait, développe une doctrine, non, plutôt pas une doctrine, mais développe une pensée au travers de leur œuvre, une pensée qui est pleine de sincérité et qui met tant à la fois en jeu leur personne que les idées politiques de leur temps. Et Barrès, en fait, essaye de se faire une place, essaye de se faire une conduite dans la vie à travers son œuvre. Il y a une belle phrase de lui, je crois qu'il dit quelque chose comme... Il fallait d'abord exister, et exister viable. Et je pense que ça résume assez bien quelle était la personnalité de Barrès et comment il a pu être pris, justement, par cette jeune génération. C'est comme... On est dans une atmosphère, à l'époque du 19e siècle, à la fin du 19e siècle, une atmosphère littéraire qui est tout emmêlée de symbolisme et de décadentisme. Et donc, pour sans faire un cours d'histoire de la littérature, le décadentisme et le symbolisme mettent en œuvre une extrême mélancolie de la vie. Il y a vraiment une... quelque part un rêve de l'âge d'or, du Moyen-Âge, ou des grandes aventures spirituelles que l'humanité a pu connaître. Puis en même temps, il y a cette constatation qu'on n'y participe plus. Et c'est Musset qui disait, je crois, dans Les Confessions d'un enfant du siècle, que le grand regret de sa génération, et le grand regret peut-être de ce siècle-là, c'est d'être entre ce qui a été et ne pas pouvoir connaître ce qui sera. Et je crois que c'est le grand drame donc, de la génération de Barrès, entre autres, c'est qu'eux, ils vivent leur propre traumatisme en 1870, avec la défaite française. C'était un monde qui s'écroule tout de même, parce que, d'une certaine manière, la France est définitivement battue par l'Allemagne. C'est comme ça que c'est perçu à l'époque. Ça entraînera une réaction, des questions. Et le désir de revanche. Et le désir de revanche. Notamment la belle analyse de Renan dans la réforme... La réforme intellectuelle et morale. Voilà, la réforme intellectuelle et morale, merci. Et donc, Barrès intervient aussi dans ce paysage-là, où tout en reprenant quand même certains éléments du symbolisme et du décadentisme, parce qu'il y a quand même beaucoup de mélancolie et beaucoup de nihilisme, en fait, dans le premier Barrès, et en même temps, essaye de le dépasser. Et je trouve que la formule qui parle
qui l'écrit peut-être le mieux, le jeune Barrès, qui décrit ce jeune Barrès dont Léon Blum parle, c'est la formule de Maurras. Maurras qui écrit ça dans Mes Maîtres, va dire quelque chose comme le nihilisme de Barrès est toujours un nihilisme douloureux. Et justement, nihilisme il y a, mais nihilisme douloureux, c'est-à-dire qu'il y a une profonde insatisfaction, il y a une recherche, quelque part, d'une nouvelle spiritualité dans l'œuvre de Barrès. Alors, il faut entendre spiritualité au sens large, pas uniquement spiritualité religieuse. Mais je pense que c'est en le prenant dans cet angle-là et en le prenant dans cette dimension-là qu'on le comprend le mieux. Et c'est aussi la manière dont la jeunesse l'a pris, parce que le culte du moi, et ça va nous reconduire vers la citation, le culte du moi, quand Barrès l'écrit, fait l'effet d'une véritable bombe. Maurras le lit, et je crois qu'il le lit en 2 heures sous une arche alors qu'il pleut dans Paris, et il n'avait même pas prévu de le lire, il devait aller simplement porter quelque chose à la librairie, et ça lui fait l'effet en fait, d'avoir enfin trouvé un maître qui remette de l'esprit en littérature. Et de nouveau, insistons bien sur le fait que remettre de l'esprit est une chose essentielle dans l'œuvre de Barrès, parce que toute sa vie, il insistera sur ces notions qui seront celles de l'idéal, de l'enthousiasme évidemment, et de l'énergie. Barrès est le grand professeur d'énergie, et un Léon Blum, comme toute la jeunesse, qui sacre Barrès prince de la jeunesse, justement, qui sacre Barrès son prince, en fait, trouvera en lui ce maître du nouvel idéal français à restaurer et à revaloriser. Tout à fait. Et donc, paradoxalement, c'est peut-être en tant qu'il est grand représentant de ce nihilisme douloureux qu'il nous parle encore aujourd'hui, et peut-être qu'il nous parle davantage que des esprits plus dogmatiques, et je dis ça sans aucune critique, des esprits plus dogmatiques comme Maurras. Oui, je crois. Je crois qu'à notre manière, notre époque est assez barésienne, en fait, parce que nous sommes tous pétris de doutes, on ne sait plus trop bien ce que veut dire même nation, France, ce sont des sens qu'on redécouvre, et Barrès, en fait, dans son œuvre, en mettant en place sa méthode du culte du moi, mais aussi en place une méthode de généalogie, d'archéologie du moi, il faut retrouver ce point d'assise duquel on peut repartir, en fait. Je résume ça dans mon essai en disant que, quelque part, la race, qui est l'aboutissement du culte du moi, la découverte donc, des ancêtres et de la tradition, n'est jamais un geôlier dans l'œuvre de Barrès. C'est pas quelque chose qui enferme le moi, c'est au contraire le point de départ d'un enthousiasme, d'un nouvel idéal. Et pour faire un parallèle avec l'œuvre de Dominique Venner que nous apprécions tous les deux, dans Histoire et tradition des Européens, c'est toute la question justement de Dominique Venner, il s'agit de remettre en fait en place la tradition pour répondre au nihilisme. Et l'œuvre de Barrès participe à ça, l'œuvre de Barrès participe à la tradition retrouvée, à une redécouverte de certains principes, de certaines choses qui doivent faire sens dans nos vies, comme l'enracinement, comme le culte des morts, les ancêtres, et l'amour de la terre. Et tout ça est en genèse évidemment chez le jeune Barrès et se développera tout au long de sa vie, mais on ne le comprendra donc jamais si on ne voit pas d'abord la nécessité de cet idéal et de cette question de l'idéal. Très bien, alors tu as déjà esquissé toutes sortes de perspectives qu'on va pouvoir développer plus longuement dans cet entretien. Alors, je propose de diviser cet entretien en 2 parties, et tu auras la permission de me corriger immédiatement après. Je le ferai. Dans la première partie, je propose de voir le premier Barrès, et je dis ça vraiment avec des guillemets car je sais que tu vas me corriger là-dessus, donc c'est-à-dire le Barrès esthète, égotiste, le dandy de fin de siècle qui est entré dans le monde littéraire de façon éclatante, hein, comme tu viens de le dire. Et dans la seconde partie, je propose de voir le Barrès politique, donc le Barrès nationaliste, qui est celui que nous gardons généralement à l'esprit quand nous pensons à lui de nos jours. Mmh. Alors, petite correction. La première chose que je dirais, c'est pour le bien de nos auditeurs, c'est qu'il ne faut, à mes yeux, pas distinguer Barrès. Comme je le disais, c'est une personnalité qui a vraiment mis la sincérité en œuvre à travers ses livres, à travers son épopée littéraire, ses écrits. Et autant il a été politique, puisqu'il sera nommé député, il était politique aussi comme théoricien, puisqu'il est le premier à introduire le mot nationalisme dans la langue française, dans la politique de l'époque. En même temps, il y a aussi celui qui renouvelle une certaine esthétique. Ça, on aura peut-être l'occasion d'en parler quand on parlera de Sous l'œil des barbares.
Et comme je le disais, toutes ces dimensions en fait participent à la création de son personnage, de sa complexité, et aussi à la compréhension de son œuvre. Et donc, pour le bien et pour la clarté de l'entretien, nous divisons en deux parties, mais gardez bien en tête qu'il faut... Chez Barrès, il faut tout prendre, en fait. C'est ça. Il ne faut pas séparer l'écrivain de l'homme politique. Les deux sont vraiment intrinsèquement mêlés, en fait. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et je pense que c'est une erreur. Il y a aujourd'hui, notamment à cause des prises de position qui ont pu être très ambiguës de la part de Barrès, notamment sur la question de l'antisémitisme et sa question du racisme, on a souvent tendance à regarder uniquement le Barrès littéraire, puis à laisser de côté le Barrès politique. Et ce qu'on aimerait bien, en fait, c'est de reconjuguer un petit peu les deux ensemble et de refaire le lien de la personnalité authentique. Tout à fait. Mais bon, pour des raisons de facilité pédagogique, si je puis dire, on va en effet suivre cette division, mais donc gardez bien à l'esprit, chers auditeurs, que c'est une division purement conventionnelle. Tout à fait. Pour commencer, il me paraît intéressant de faire un petit point biographique, en fait, tout simplement. Alors, je ne suis pas sûr que nos auditeurs connaissent tous très bien à la fois le contexte historique dans lequel a évolué Maurice Barrès et sa vie, très simplement. Alors, question très générale pour commencer, où et quand est-il né? Peut-on nous parler de son parcours, ce parcours qui l'a conduit à devenir un écrivain? Oui. Donc, petite précision d'abord, par rapport à Barrès, j'insisterai dans la biographie que j'en ferai sur sa jeunesse, la première partie, ses premières influences intellectuelles, qui ont tendance à être mises de côté. Parce que c'est le Barrès qu'on connaît moins, parce que c'est le Barrès qui a été un petit peu omis, c'est le Barrès qui est très proche des Parnassiens, et on développera le reste, à mon avis, de plus en plus, et dans la longueur de l'interview. Donc commençons par le commencement. Barrès naît le 17 août 1862 à Charmes, en Lorraine. Vous le savez comme moi, en 1870, la Lorraine sera envahie lors de la fameuse guerre avec l'Allemagne, en 1870, qui sonnera le glas du Second Empire et qui donnera l'occasion à l'Allemagne de s'unifier définitivement par le traité de Versailles. Et la prise de la Lorraine par l'Allemagne est un épisode plutôt traumatisant dans la vie de Barrès, puisque il le raconte dans son carnet, le dernier volume qu'il publie, savoir le 14e volume de ses carnets. Barrès a 8 ans, lorsqu'il voit pour la première fois des soldats français qui accourent, il comprend pas vraiment ce qui se passe, et il entend un chant qu'il n'avait plus entendu depuis, enfin qu'il ne connaissait pas. Ce chant, c'est la Marseillaise. La Marseillaise était bannie en fait sous le Second Empire. Donc Barrès demande à son père, mais qu'est-ce qui se passe? Quel est ce chant? Son père lui répond, c'est la Marseillaise. Il entend des soldats qui disent à Berlin, dans sa tête d'enfant de 8 ans, c'est pas très compliqué, dans 3 semaines on a gagné, et la France est sauvée. Il sait pas trop de quoi à l'époque, mais la France est sauvée. Puis il s'avère que quelques semaines après, justement, il revoit les soldats qui refusent, tous en sang, blessés, et incompréhension de Barrès, il est transporté un peu en urgence par ses parents vers Nancy. Son père est lui-même fait prisonnier lorsque les Allemands arrivent à Charmes, étant un notable du village, puisque Barrès est issu d'une famille bourgeoise. Et il n'aura pas l'occasion d'y revenir de sitôt. Jusqu'à ce que les Allemands et les Français se mettent d'accord sur le traité de paix, que le village de Charmes ne fasse pas partie des conditions. Ce sera notamment Metz et Strasbourg qui seront prises, et ce petit village restera encore épargné de l'influence allemande durant cette époque. Et ça c'est pour la jeunesse de Barrès. Vers ses 10 ans, il va à l'internat. Il raconte ça dans tout au début du culte du mois, sous l'œil des barbares. Ce qui montre encore d'ailleurs que le culte du moi et l'œuvre de Barrès est très liée à sa propre vie, c'est presque biographique d'ailleurs. Et il fait son propre autoportrait en se décrivant comme un jeune homme, enfin un jeune garçon très souffreteux, malade, plutôt seul. Pour tout dire, Barrès est surnommé le corbeau par ses camarades, étant donné qu'il est très pâle, il a des cheveux très noirs et il est plutôt silencieux et taciturne, qu'il a très peu d'amis. Ça va changer quand il ira, je crois, au lycée en 1877. Qu'il rencontrera Stanislas de Guetta. Stanislas de Guetta est une grande amitié de Barrès, et surtout l'influencera profondément, puisque c'est le premier qui l'initiera en fait à la littérature romantique. Barrès raconte que lui et Stanislas avaient tendance à, enfin pas à sécher l'école, mais à s'abreuver de poètes romantiques, à savoir Heinrich Heine. C'est le premier également qui lui présente Les Fleurs du Mal de Baudelaire, Salammbô de Flaubert, et même la littérature de Théophile de Gautier, donc les Parnassiens. Et Barrès est abreuvé de ce romantisme, il s'en délecte beaucoup, influence de laquelle il ne sortira pas, au moins jusqu'au roman de l'énergie nationale, il en restera assez prisonnier
dans sa première trilogie, dans Le culte du moi, même si on, d'une certaine manière, je l'expliquerai, il la transcende, il la dépasse. Puis ensuite, faut bien qu'il fasse des études, et son père étant un jeune notable et un bourgeois, le pousse à faire des études de droit, qu'il réalisera d'abord à Nancy. Je crois que le projet des parents de Barrès à l'époque, c'était de faire en sorte qu'il reprenne une charge de notaire. Barrès avait plutôt un autre plan en tête, parce que avec son ami Stanislas de Guetta, ils essayaient déjà de faire leur début et leur entrée en littérature, donc ils publiaient diverses études. Je pense que Barrès écrivait pour un journal qui s'appelait La Jeune France, à cette époque, quelques portraits, qui n'auront pas d'ailleurs un grand retentissement. L'épisode peut-être le plus important de cette époque, c'est sa dernière classe au lycée de Nancy, parce que c'est la classe de philosophie qu'il illustrera dans Les Déracinés. C'est la classe de philosophie qu'il suit d'Auguste Burdeau, qui sera représenté sous les traits de Monsieur Bouteiller, le professeur Kantien. Et à cette époque, en fait, Barrès a quand même la chance d'avoir devant lui Burdeau, parce que Burdeau est celui qui traduit une partie de l'œuvre de Schopenhauer, qui réalise de nombreux travaux sur Kant. C'est lui qui traduit toute l'œuvre de Kant. Il a une sacrée connaissance de l'œuvre kantienne et qui donne un cours à Barrès, notamment sur les fondements de la métaphysique des mœurs, oui, c'est ça, et sur la question de l'impératif catégorique, qui influencera beaucoup Barrès, avec évidemment le point de vue critique qu'on lui connaît, parce qu'il reviendra beaucoup sur ce kantisme. À l'époque, cependant, Barrès n'est pas critique de la philosophie de Kant, il n'est pas encore, et à bien des égards, il se nourrit en fait de ce germanisme philosophique que son maître lui passe. L'enseignement de Burdeau ne durera que 4 mois, et après, donc c'est ce que je le disais tantôt, Barrès continuera son aventure, notamment en essayant de se faire publier et en allant réaliser ses études de droit. C'est en 83 qu'il arrive à Paris. Alors officieusement, il dit que c'est pour terminer ses études de droit. Il les terminera, il aura sa licence de droit. Néanmoins, c'est surtout la carrière littéraire qui l'intéresse. Et donc, de nouveau, Barrès essaye de se faire publier, mais cette fois-ci à Paris. Paris, c'est un petit peu l'endroit où on va à l'époque pour pouvoir être connu et faire ses débuts en littérature. Il est toujours avec son ami Stanislas de Guetta, si je ne me trompe pas, et voyant en fait ses premiers écrits parfois refusés ici ou là, ou corrigés, ce qu'il n'apprécie guère, il décide de créer sa première revue, qui n'aura que 4 tirages, qui durera que quelques mois, donc là on est en 1884-1885, qui s'appellera Les Taches d'encre. Une des principales influences aussi que Barrès rencontre à cette époque, qui est peut-être moins connue, parce que cette personne est un petit peu tombé dans l'oubli aujourd'hui, c'est Théodore Wyszewski, Théodore de Wyszewa, comme on le dit en polonais, parce que c'est une personnalité d'origine polonaise, mais qui vit à Paris. Alors Théodore de Wyszewa, ce qui peut être intéressant d'en dire, c'est qu'il est un des principaux représentants de l'école symboliste en France, et qu'il est aussi le créateur de la revue wagnérienne, qui aura une influence sur Barrès, parce que Barrès sera très wagnérien dans sa jeunesse, il aimera beaucoup notamment Tristan et Iseult, qui est un magnifique opéra de Wagner et qui l'influencera beaucoup. Et c'est l'occasion aussi pour Barrès, par Théodore de Wyszewa, de rencontrer les cercles symbolistes de l'époque. Il y a notamment, à Paris, se tient les Mardis de Mallarmé, et Barrès y fréquentera le comte de Liszt, Anatole France, pour lequel il a beaucoup d'admiration, Verlaine. Verlaine d'ailleurs qui suivra un petit peu Barrès dans une certaine mesure, parce que Barrès tiendra un fonds pour Verlaine lorsque celui-ci vivra sa vie de vagabond à Paris. Et donc les Taches d'encre, surtout, sa revue. Alors, ce qu'il faut peut-être dire des Taches d'encre, Barrès à cette époque fait preuve vraiment d'un vrai cosmopolitisme européen. Il s'intéresse à tout. À ce titre, il y a peut-être une citation à dire qui est pas inintéressante, parce qu'elle nous permettra de rebondir avec ça dans la suite de l'entretien. Savoir que Barrès écrit « Nous avons des pères intellectuels dans tous les pays. Kant, Goethe et Hegel ont les premiers droits sur nous. » Ce qui tranche assez nettement aussi avec son chauvinisme anti-allemand de sa période plus tardive. Oui, tout à fait. D'ailleurs, au début en fait, de sa carrière, Barrès n'est pas vraiment anti-allemand ou anti-germaniste. Il se nourrit vraiment de la poésie allemande, il se nourrit vraiment de la philosophie allemande et en fait du romantisme allemand qu'il apprécie. Je crois certainement que ce qu'il appréciait dans le romantisme allemand, c'était à la fois cette atmosphère quand même un peu morbide parfois qu'on peut y retrouver, et de décadentisme, mais également ce goût pour l'idéal et le renouvellement. Dans un article d'ailleurs, on fait une petite aparté, mais dans un article qu'il dédiera à Wagner, je crois qu'il écrit cet article en 1891, 91 pour nos amis français, Barrès parlera de Wagner comme étant
le préfigurateur d'une éthique nouvelle. Et je trouve que la valorisation de Wagner en ces mots par Barrès est très significative de la position même que lui a envie de tenir en France. Évidemment, il fait partie de ces figures qui parlent de Wagner, qui écrivent de Wagner, qui le commentent, et qui en est admiratif. Et d'écrire Wagner comme étant le préfigurateur d'une éthique nouvelle montre aussi l'ambition de Barrès, qui est de reconstituer en fait l'idéal français. Et son cosmopolitisme littéraire des débuts a vraiment cette volonté pour reconstruire l'idéal littéraire français, en fait d'une forme de revalorisation de l'esprit en littérature. C'est vraiment ce que j'aurais envie qu'on retienne de cette période des taches d'encre, c'est la revalorisation de l'esprit dans la littérature française. Donc à ce titre, je le disais déjà un petit peu plus tôt, Barrès en fait essaie d'une certaine manière de transcender les carcans du symbolisme et des décadentismes. Il les dépasse par la mise en œuvre du culte du moi, dont on va parler très bientôt. Et la mise en œuvre du culte du moi sera tout à la fois une tentative de retrouver la spiritualité, qu'en même temps une approche critique aussi de ce décadentisme. Il faudra en montrer les limites, et faudra montrer la vanité du moi pour pouvoir justement, une fois atteint le lit, quelque part, le lit de la douleur et de la souffrance, remonter à la tradition. À ce titre, il faudrait développer, on n'a peut-être pas le temps de le faire, ça demanderait un cours de littérature complet, sur l'importance qu'a eu les Fleurs du Mal pour le jeune Barrès, parce que la philosophie de Baudelaire, plutôt toute la pensée de Baudelaire, c'est d'arriver tout au bout, et une fois qu'on est tout au bout, qu'on est gisant quelque part dans la mare de boue de l'homme, et il y a ce spleen, cette mélancolie qui remonte et qui démontre l'envie d'un ailleurs. Et à sa manière, je crois, Barrès en fait le disciple, et simplement passe la barrière, et remonte à la lumière d'une certaine manière. Alors c'est très bien que tu mentionnes toute cette influence littéraire. Tu as parlé en particulier du symbolisme de cette époque, mais un autre courant littéraire régnait à l'époque de Barrès, en tout cas à l'époque où Barrès va écrire son premier ouvrage, c'était ce qu'on appelait le naturalisme d'Émile Zola, que Barrès n'appréciait pas beaucoup, je crois. Ça le dégoûtait même. Ça le dégoûtait, peut-être que tu pourras en dire un mot. Donc c'est dans cette époque où donc le naturalisme règne, en quelque sorte, dans les lettres françaises, que Barrès publie en 1888, donc, Sous l'œil des barbares, le premier tome de ce qui deviendra Le culte du moi. Une œuvre étrange, fascinante par bien des aspects, qui attira alors l'attention sur Barrès. Est-ce que tu peux nous parler de ce premier livre ? Oui, alors peut-être je vais d'abord contextualiser la littérature de l'époque encore un petit peu plus. Donc, il y a le symbolisme pour une part, et le naturalisme de Zola qui se veut déjà lui-même une réaction au symbolisme et au romantisme par la description scientifique en fait, d'un milieu, des faits, de la nature. C'est la fameuse œuvre de Zola sur les rougons macquart, où on a droit à quelque part à la vérité nue d'un foyer de ce qui s'y passe. Tout à fait, le naturalisme en quelque sorte est une espèce de continuation du réalisme qu'on peut trouver chez Balzac, mais qui désire aller plus loin, là où le réalisme, selon des gens comme Zola, s'arrête encore à la surface, à la pure description des faits. Le naturalisme veut trouver les causes, en fait, les causes sous-jacentes, on va dire scientifiques, toutes sortes de déterminismes sociaux, scientifiques derrière les phénomènes. Tout à fait. Et d'une certaine manière, en fait, c'est la radicalisation du réalisme par le positivisme d'Auguste Comte. On est vraiment à l'explication mécanique de la psychologie des lois de l'homme par leur milieu. Et justement, peut-être là, il y a une première chose à dire, il y a un premier point d'achoppement entre Barrès et les naturalistes, c'est que pour Barrès, la réalité est faite d'inconscient. On ne s'explique pas les phénomènes sous-jacents de la nature humaine. Il y a une grande influence de Barrès à l'époque du culte du moi en philosophie. Je crois qu'il dédie même son culte du moi à cet auteur, c'est le philosophe allemand Hartmann, qui a écrit une philosophie de l'inconscient. Alors Hartmann, aujourd'hui, est totalement tombé dans l'oubli. C'est un philosophe du début du 19e siècle en Allemagne. D'ailleurs, Nietzsche le critiquera beaucoup en disant que sa philosophie est une philosophie de mort, dépassée, non vitaliste. Et Barrès, au contraire, se rapproche beaucoup d'Hartmann en voyant... Enfin, ce qui l'intéresse en Hartmann, c'est cette description du fond en fait, de la nature humaine comme étant pétrie d'inconscient. Dans la philosophie d'Hartmann, un petit peu comme chez Schopenhauer d'une certaine manière, même s'il faudrait distinguer, j'ai
pas l'occasion de le faire plus en détail. Il y a un petit peu, l'inconscient est une force en fait qui baigne le cosmos et qui baigne l'ensemble de la nature, et les individus sont moulés et forgés par l'inconscient, en fait qu'ils ne font que rationaliser. Donc il y a tout un tas de forces, presque de pulsions, j'ai envie de dire. On n'est pas encore non plus chez Freud, mais on s'en rapproche tout de même, qui composent l'individu et qui le dirigent. Et notamment pour Barès, Hartmann, par cette description-là, est un des philosophes les plus sociaux aussi, parce qu'il nous rattache en fait à l'ensemble des individus en rattachant le moi à cette force unique qu'est l'inconscient. Donc ça, c'est une des premiers points d'achoppement entre le naturalisme et Zola. Et puis, il y a une autre influence littéraire de l'époque qui est le symbolisme, le décadentisme, même s'il est très difficile de pouvoir parfois distinguer les deux, tant les auteurs se chevauchent entre Mallarmé de la première époque et le Mallarmé qui suit. Le premier était symboliste, le deuxième est décadentiste, c'est plutôt l'inverse. Puis il y a Jean Moréas aussi à l'époque qui est le grand-père du symbolisme, il y a Théodore de Vigeva dont on a parlé, il y a Verlaine aussi, notamment celui plutôt des sagesses, le dernier Verlaine. Toute cette masse de littérature française à l'époque est vraiment baignée de ce sentiment de mélancolie profonde, de ce sentiment de, on va le dire pour faire assez simple, de tristesse et de rêve d'un ailleurs. Il y a le fameux Huysmans qui écrit à rebours, qui est un livre aussi très particulier mais influent. Je ne pense pas que Barès l'ait lu, mais il marque la littérature de son époque, où on a presque un bûcher des vanités qui est décrit, où ce personnage s'enferme chez lui, ne fait que lire des livres, et puis il les passe les uns après les autres, et tout à la fin du roman, il y a une conversion de Huysmans il y a un regard de Huysmans de nouveau vers le christianisme. Donc il y a, dans la littérature de l'époque, il y a tout à la fois une atmosphère de décadence et en même temps un appel à autre chose, et Barès de tout ça s'en empare pour écrire le culte du moi. Le culte du moi, donc, comme tu le dis, à bien des aspects, c'est un roman très particulier, notamment le premier volume, Sous l'œil des barbares. Qui peut être assez déconcertant pour un lecteur de notre époque. Hein. Ah oui, très déconcertant, parce qu'il n'y a pas de trame, en fait. On ne sait pas ce qu'on lit. On ne connaît même pas le nom du personnage principal avant le troisième tome. Oui, tout à fait. Il s'appelle Philippe, si je ne me trompe pas. Il s'appelle Philippe, oui. Il est nommé ainsi dans le jardin de Bérénice. C'est ça. Mais jusqu'alors, on a une description très rapide au début, autobiographique, comme je l'ai dit, de sa jeunesse, où en fait c'est Barès qui parle de sa souffrance à l'école. Et puis, ce que l'on a en fait, ce sont à bien des égards des tableaux oui. qui se collent les uns aux autres, et en fait des archétypes aussi. Et il y a une dimension aussi onirique, je dirais, dans ce livre. Tu as mentionné à raison, je pense, le mot du rêve. Ce besoin de rêve chez les symbolistes ou chez Barès. En préparant cet entretien, j'ai retrouvé une citation de Barès qui dit ceci: il est trop certain que la vie n'a pas de but et que l'homme pourtant a besoin de poursuivre un rêve. Tout à fait. Là, on est vraiment pleinement dans le Barès des débuts. Je crois que c'est bien ce que tu dis et c'est important d'y insister parce que ça nous permet de vraiment montrer que Barès tient encore, d'une certaine manière, à beaucoup d'idéalisme. Le tout début, en mettant en jeu ses archétypes, en mettant en jeu... Parce que les personnages sont décrits comme des archétypes quand il parle de femmes dans ce roman. C'est tellement onirique, c'est tellement vaporeux qu'il n'y a pas de psychologie derrière. Ce sont des portraits de la même chose pour lui-même, pour le personnage principal. Tout ça, en fait, a, je crois, un seul objectif. C'est tout à la fois en nous montrant la vanité des doctrines philosophiques qui ont pu être amenées jusqu'au XIXe siècle, tout en montrant la vanité d'une certaine littérature, tout en nous montrant la vanité de la raison aussi, parce que dans l'œuvre de Barès, il y a une forte critique de la raison, c'est un appel à l'ailleurs. Et je crois qu'il faut tenir en tête ce pôle, quand on parle de Barès en général, mais surtout dans le Barès des débuts, entre l'importance de la manifestation de soi qui est tenue dans le culte du moi, et en même temps, cette envie de s'évader. D'ailleurs, c'est le premier sentiment de Barès, et sa première envie, c'est de partir. D'ailleurs, il sera un grand voyageur, on en reparlera, mais le premier voyage, il est onirique. Il se fait dans les rêves. Ce qui amène, en fait, ce premier roman, donc Sous l'œil des barbares, à tout à la fois en montrant la vanité du moi, à lancer une oraison, qui est la fameuse oraison finale, vers un maître. Très vaporeux. C'est tout à la fois, comme il le décrit, axiome, religion ou prince des hommes. Les trois grandes thématiques de la vie, en fait, la philosophie, la religion, le spirituel et la politique. Et
on en reste à un moment de suspension. Un moment de suspension, en fait, qui demande un développement. Ce qui nous montre bien que l'œuvre de Barrès, c'est d'abord, elle commence en étant une méthode d'analyse du soi. Il faudrait compter, et on peut presque le faire, le nombre de références que Barrès fait dans cette trilogie à Saint-Ignace de Loyola, par exemple, celui des exercices spirituels, ou à Saint-Thérèse d'Avila. Et quand on regarde pourquoi il s'intéresse à ces personnes-là, ce qu'on remarque, c'est le fait que ces personnalités ont cherché une voie, ont cherché une vérité, ont cherché une transcendance, et l'ont manifesté par... c'est plus le cas de Saint-Thérèse d'Avila que d'Ignace de Loyola, par la passion. Et donc, la passion, la sentimentalité, qui, en se développant, en recherchant quelque part un axe de croissance, petit à petit, monte vers le spirituel, vers la lumière. Je crois que c'est le chemin qu'on peut avoir de Barrès. C'est presque religieux, en fait, ou mystique, comme manière de présenter les choses, mais je pense que ce premier livre est un livre très, très mystique. Qu'il faut saisir dans cette essence-là. Et le premier tome, Sous l'œil des barbares, a cette spécificité qu'en le lisant, en fait, Barrès découvre aussi la vanité du moi et découvre la vanité de l'intelligence. C'est paradoxal, mais on a souvent tendance à dire que l'essence de l'homme est d'être un être rationnel, et en fait, en lisant Le culte du moi, Barrès le défait complètement. Il y a un épisode au début où il raconte qu'il est un jeune homme, enfin il est un jeune homme qui lit la philosophie, il dit mais au final, avec toute cette doctrine, je ne sais même plus ce que le mot matière veut dire. Le choix de ce mot matière est symbolique, c'est la matière, c'est la chose la plus concrète, la plus réelle, qu'on a partout autour de soi, qui nous touche et qui nous rentre par l'essence. Et en même temps, Barrès me dit, mais je ne sais plus ce que ça veut dire. L'intelligence, quelque part, disparaît. Ça ne veut pas dire que l'homme disparaît, mais l'intelligence disparaît. Donc il faut retrouver, en fait, quelque chose de plus certain que l'intelligence, d'une certaine manière. Il y a presque un déclair inversé à ce niveau-là, où on cherchait l'idée claire et distincte. Ici, en fait, l'idée claire et distincte, de toute façon, n'existe pas, parce qu'elle est faite de plurialité, de choses plus... Enfin, elle est plurielle, et elle se dissout dans un ensemble de pulsions et de passions qui sont dessinées dans Le culte du moi. Oui, Barrès dit, dans d'autres occurrences, que l'intelligence peut toujours trouver d'autres causes à laquelle se raccrocher, en fait. Oui. C'est plutôt un état de sensibilité premier qu'il cherche. À découvrir. Tout à fait, tout à fait. Disons que le fameux mot enthousiasme qui revient très souvent dans Le culte du moi a cette vocation-là, a cette vocation en fait de cristalliser une passion à un moment précis pour faire en sorte que l'individu, à partir de cette passion, sache quelque part ce qu'il est et puisse construire en fait son identité. Ce qui fait aussi, d'une certaine manière, que Barrès tient beaucoup au romantisme encore de l'époque, parce que toute cette question de la souffrance, de la douleur qui était très présente dans l'œuvre de Barrès s'attache à ça. La souffrance et la douleur sont les passions les plus fortes. Et d'une certaine manière, Barrès cherche à souffrir. Parfois, il s'inflige des choses dans son roman. On se demande vers où il va. Bon, c'est plus pour un homme libre. Mais il part avec son ami Simon. Je crois que c'est l'île de Jersey. Oui, c'est ça. Il part à Jersey et puis il reste là à fumer de l'opium et à boire... Enfin, à boire, à peine manger pendant une semaine pour analyser leur moi et faire un exercice de sensibilité. C'est à la fois monastique, presque, comme discipline, et en même temps, c'est autodestructeur comme comportement. Donc, y a tout à la fois cette recherche du point final de la vanité du moi, cette recherche de l'importance d'une passion forte et puissante qui puisse cristalliser, en fait, quelque part, les qualités, les passions qui font... Il y a quelque chose comme un individu qui existe, et en même temps cette volonté d'un ailleurs, du rêve, qui, à cette époque du moins, n'est pas encore défini, qui sera défini plus tard par la tradition, par le culte de la terre et des morts, mais à cette époque, Barrès se pose vraiment la question de la religion, de la philosophie ou de la politique. Et de nouveau, j'insisterai là-dessus, ça marque bien l'enjeu personnel qu'il y met. C'est une personne qui ne sait pas vers où aller et qui se cherche vraiment à travers son roman. Et à cette époque, les possibilités sont toutes ouvertes. C'est ça, oui. Et c'est ça que tu nommais, en quelque sorte, ce nihilisme douloureux au début, en fait. Oui, tout à fait, parce qu'il en souffre énormément. Et ouais. À ce titre, d'ailleurs, pour un petit peu enchaîner, quand Maurras découvrira Le culte du moi, je crois qu'il écrira un portrait de Barrès. Maurras se faisait connaître en écrivant beaucoup de critiques littéraires à ses débuts. Et il parlera du culte du moi comme étant...
l'expression d'une nouvelle divinité, d'un nouveau dieu. À savoir que dans la bouche de Maurras, ça a un sens très particulier, parce que Maurras est anti-individualiste, évidemment, mais Barrès, en fait, quelque part, son individualisme est un individualisme qui va un peu plus loin, qui met en œuvre une dimension spirituelle et qui n'est pas simplement l'idéalisme du « je souffre, donc je suis », comme Maurras se dira dans Les Amants de Venise. C'est un individualisme de culture, de contrainte, de dépassement. Il y a presque, à ce niveau-là, un parallèle à faire avec Nietzsche, d'une certaine manière, une manière active de mettre en œuvre son nihilisme pour pouvoir aller par-delà ce que l'on est. Tout à fait. Et alors, ce nihilisme met en scène une dimension assez intéressante. En fait, prenons au mot le titre de l'ouvrage, « Sous l'œil des barbares ». Qui sont ces fameux barbares, par rapport à ce moi qui doit être cultivé? Très bonne question que celle des barbares. Quelque part, à ce titre, en fait, il faut voir le barbare comme étant un non-moi. Au début, il y a un beau parallèle à faire entre Fichte et Barrès. Je le ferai d'ailleurs pour l'expliquer, je vais le faire maintenant. Alors, d'une part, je vais me justifier aussi de pourquoi j'ai fait un parallèle entre Fichte et Barrès. Barrès se voyait comme un Fichte. Il écrivait dans ses carnets « Fichte est né en 1762, je suis né en 1862 ». C'était très attiré par les dates. Il eût été normal que, comme Fichte, je meure en 1914, après avoir vu mon 1813. Il y a une fraternité entre les deux, une fraternité intellectuelle qui se noue au début, et le barbare, en fait, tient lieu de figure d'opposition. Au début, le barbare, c'est simplement celui qui n'est pas moi. C'est comme ça que le Barrès se décrit. C'est celui aussi qui est sourd et lourd, qui est sourd, en fait, aux disciplines de la raison, qui est sourd à l'intelligence, qui n'écoute pas la rationalité, et qui est destructeur, et qui fait vraiment partie de l'ordre de la matière. Et à ce titre, quelque part, la composition entre le moi onirique et le non-moi, qui ressemble à celui de barbare, ressemble vraiment à l'œuvre philosophique de Fichte, c'est-à-dire que cette mise en jeu et cette lutte entre moi et non-moi dans l'œuvre de Fichte est à l'origine de la création du monde et du sens. Pareil dans l'œuvre de Barrès, d'une certaine manière. En quelque part, la tension qu'il y a entre le moi et le non-moi barrésien et va être génératrice de cette prise de conscience de l'essence du moi, de ce qu'il est. Il y a un fameux passage, c'est amusant de le noter parce que ça relativise aussi après les prises de position chrétiennes que Barrès aura postérieurement. C'est notamment le passage d'Athénée, où en fait Athénée est la dernière représentante du paganisme grec. Elle est dans son palais, description magnifique qu'en fait Barrès avec ses fidèles, et il y a une horde de chrétiens qui arrivent, qui représentent les barbares, qui déferlent dans le palais et qui massacrent tout le monde. Et ça montre en fait que, je le mentionne simplement pour montrer les doutes que Barrès peut avoir, et autant il se pose la question de la religion, autant la question n'est toujours pas figée. Ici, il prend presque parti pour les païens contre les barbares chrétiens, et plus tard, il écrira la grande pitié des églises de France. Et donc, je le mentionne pour montrer comment ce jeu, cette dialectique entre moi et non-moi participe de la libre création du moi barésien, justement. Parce que c'est tout l'intérêt, en fait, de la figure du barbare, c'est qu'elle renforce la prise de conscience du moi, que le moi a de lui-même, elle renforce, en fait, les forces du moi. Parce que par le fait qu'il y ait des barbares, par le fait qu'il y ait un étranger, on retourne à ce que l'on est le plus soi-même. Il y a un jeu très dialectique donc, entre les deux, et qui amènera Barrès, en fait, à venir à la tradition. On peut l'expliquer de manière très simple en disant le fait de revenir à la tradition française lorraine par le fait qu'il sait qu'il y a l'Allemagne en face qui est étrangère à la France, qui est étrangère à la sensibilité lorraine. Et donc cette dialectique est à mes yeux essentielle parce qu'elle permet aussi de comprendre ce qui arrivera plus tard, à savoir l'extrapolation du moi vers le nous, qui est importante dans l'œuvre de Barrès parce qu'il y a une connexion entre cette première trilogie, le culte du moi et le roman de l'énergie nationale. Et oui, le barbare, vraiment à voir comme cette figure à la fois nécessaire, cet antagoniste nécessaire pour le dépassement justement du nihilisme. Tout à fait. Et alors, petite question subsidiaire, cette insistance sur le moi pourrait faire songer à une forme d'individualisme, mais on a plutôt coutume de surnommer Barrès un égotiste. C'est plutôt l'égotisme de Barrès dans le culte du moi. Est-ce que tu y vois une différence entre l'égotisme et l'individualisme, ou pour toi ce sont des termes quand même relativement synonymes? Oui, je pense qu'il faut quand même y voir une différence, notamment parce que Barrès lui-même la pose.
Bon, après, il la pose et parfois il revient là-dessus. Il dira « Nous avons toujours été individualistes », ça je crois qu'il l'écrit dans « Scène et doctrine du nationalisme ». Et en même temps, il a tendance, à cette époque-là du moins, à valoriser plus ce terme égotiste. Je dirais qu'en fait, la différence entre l'individualisme, comme il est traditionnellement entendu, et l'individualisme barésien, c'est l'exercice du style d'individualisme. Barès, dans Un homme libre, parle du roman de Benjamin Constant, Adolphe, qu'il prend comme, quelque part, fait représentatif de l'individualisme. Pour juste comme ça, tout le monde est au fait. Grosso modo, c'est une histoire d'amour entre Adolphe, justement, et ça raconte une histoire d'amour entre Adolphe et une femme dont j'ai oublié, Léonore, je crois. C'est une description de l'égoïsme qu'a pu avoir Adolphe pour Léonore, avec un amour, on ne sait jamais s'il a été totalement honnête ou pas, ou s'il a été uniquement mis en œuvre, et tel qu'il le prend, Barrès se voit uniquement comme celui qui n'a pensé d'abord qu'à lui. C'est comme l'individualisme en tant que tel. Et quelque part, il l'utilise, parce qu'il utilise ce roman comme étant un intercesseur pour pouvoir trouver l'essence de son moi, et en même temps, il la dépasse. Et c'est ce que je dirais donc, juste pour clore sur cette petite question, c'est l'individualisme barésien est un individualisme qui est ouvert vers l'ailleurs, justement, qui n'est pas renfermé sur la seule existence individuelle. Bon, c'est un petit peu paradoxal. Ça, en fait, on pourrait qualifier l'égotisme d'individualisme ouvert par rapport à l'individualisme qui serait une forme de moi fermé sur lui-même et qui n'est pas ouvert à des influences extérieures. Oui, c'est ça. Dans la mesure où on parle d'enthousiasme, on parle de rêverie, donc il y a une volonté aussi, c'est pas d'échapper aux sphères du moi, c'est pas du tout ça, c'est plutôt de le vivifier de l'intérieur par autre chose. Et donc de en cherchant son enthousiasme, une fois qu'il a découvert sa vanité, le moi se transcende. Et ça mènera au fameux nous, notamment un homme libre. Ou Barrès a cette très belle phrase, la tradition retrouvée par l'analyse du moi. Mais alors, juste avant d'arriver à ce nous, justement, je voudrais t'interroger sur un autre point. Dans ton essai, tu notes ceci. Le 19e siècle peut ainsi s'interpréter dans la perspective barésienne comme le grand passage de l'absolu au relatif. Que faut-il entendre par là? Comment le jeune Barrès se place-t-il vis-à-vis de la tradition? Alors, c'est une très très vaste question qui mériterait en fait qu'on parle de toute l'œuvre de Barrès rien que pour répondre à cette question. Dans mon essai, c'est une référence que je fais au chapitre de l'arbre de Monsieur Taine. Cependant, je pense qu'on peut, comme tu le dis... Dans Les Déracinés. Dans Les Déracinés, pardon. Oui. Cependant, je pense qu'on peut en effet le mettre en œuvre déjà pour le culte du moi. Parce que c'est essentiel du fait que l'individu et le moi soient perdus, en fait, dans le culte du moi. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le culte du moi. On n'a pas vraiment balayé l'entièreté de l'œuvre. Mais le fait justement qu'il faille retrouver la tradition montre la perte de la tradition. Et la perte de la tradition, pour Barrès, c'est l'élément peut-être le plus essentiel, est symptomatique du 19e siècle. Et comme on le sait, le 19e siècle est héritier en cela de la Révolution française et de la rupture qui a été faite. Et on sait que Barrès a été l'auteur de Déracinés, mais je pense que le plus grand déracinement qui a été mis en place, c'est celui qui a mis en place la Révolution, c'est le déracinement spirituel. Les hommes n'ont plus, quelque part, ces structures sociales, ces institutions qui sont toutes prêtes et toutes faites, qui leur permettent très spontanément de répondre aux questions essentielles de la vie. À partir de la Révolution, il faut tout, un petit peu, d'une certaine manière, refaire par soi-même. On va prendre un exemple, mais au moment où le roi de France est décapité, alors que le roi de France est le représentant du divin sur Terre, du pouvoir divin, alors qu'il est, surtout en France, il a un corps sacré, il est censé guérir les amants les touchants, le roi de France est décapité, rien ne se passe. C'est un choc pour la population de l'époque, et d'une certaine manière, plus que pour la population française de l'époque, pour la spiritualité même en général, on a pu remettre en cause, de manière drastique et complète, une structure spirituelle qui a été jusque-là essentielle. Et donc, l'homme, quelque part, se pose cette question du est-ce que tout ça a un sens, est-ce que tout ça est vrai, et dans quelle mesure celle-là, et ça ouvre la porte du discours critique de Kant, de la mise en place de la raison, et quelque part c'est le prolongement de la philosophie des Lumières, et la philosophie des Lumières entre dans cette béance spirituelle-là, et Barrès est héritier de tout ça, il voit à la fin du XIXe siècle cette raison qui a déconstruite
suite à la béance ouverte de la Révolution française, qui a déconstruit tous ces principes qui ont guidé les sociétés pendant presque 2000 ans, voire même un peu plus en fait. Et d'une certaine manière, il n'en est pas satisfait. Il en voit un profond échec, et beaucoup d'individus à cette époque-là se sentaient perdus. Il y a une insatisfaction folle par rapport aux forces proprement humaines. Il y a la critique de Nietzsche, qu'on connaît, où Nietzsche voit l'homme comme étant un animal menteur et voit que toutes ces histoires en fait, de raison et de rationalisme ne tiennent pas debout, ce sont des mensonges. Comme il dit, c'est peut-être la critique la plus forte. En France, il y a, peut-être il est bon de le mentionner, il y a un roman qui jouera un grand rôle à l'époque, qui est complètement oublié aujourd'hui, parce que c'est le roman de Paul Bourget, le roman Le Disciple, qui annonce aussi d'une certaine manière cette insatisfaction par rapport à la raison, qui montre que ce passage de l'absolu au relatif, donc au relativement humain, s'est fait dans la souffrance. Parce que dans Le Disciple, en fait, il y a une intrigue entre Adrien Stix, qui est représentant de la philosophie rationaliste et positiviste de son époque, et Robert Gresoul, qui en est son disciple. Et puis Robert Gresoul, en fait, devient percepteur en province, et a devant lui une jeune fille qu'il sent un petit peu éprise de lui par exercice en fait de pensée, par exercice presque scientifique. Il décide de mettre en œuvre les principes de la philosophie sceptique et rationaliste de son maître Adrien Stix, et ça conduira au suicide en fait de cette jeune femme. Le but du roman Le Disciple de Bourget était de condamner en fait le personnage de Robert Gresoul, et donc de condamner à la fois la philosophie rationaliste, le positivisme et le scepticisme au lieu de ses contemporains. Donc dans cette condamnation, il y a deux choses à voir, à la fois l'insuffisance de la raison, et en même temps, l'envie, quelque part, qui est trahie, l'envie, Bourget se fait l'écho, de vouloir dépasser le scepticisme. On passe de l'absolu religieux, spirituel, l'absolu institutionnel qu'a pu être la monarchie et la société de l'Ancien Régime, au relativisme scientifique, et en même temps, il y a une insuffisance du relativisme scientifique. Et Barrès, c'est pour ça qu'il a eu autant d'importance à l'époque, s'en fait quelque part le miroir. Le moi dans Sous l'œil des barbares est très déçu, il est fragile, il y a une angoisse existentielle profonde, presque sans kierkegaardien du terme, heideggerien, on sent qu'on va mourir, la pensée va s'arrêter, et il faudrait relancer tout ça. Et justement, le culte du moi mettra ça en œuvre à travers un homme libre. En fait, arriver tout au bout de sa propre logique, le moi lance un nouvel appel, cet appel, cet horizon final dont j'ai déjà parlé, vers l'axiome, religion, prince des hommes, et ne accomplit cet appel dans un homme libre où il se découvre en fait maillon d'une chaîne, donc partie prenante d'une tradition, mais qui n'est plus du tout la tradition spirituelle, religieuse, telle qu'on a pu en voir là en France, qui est la tradition, la fameuse tradition de la terre et des morts, donc la tradition de l'enraciné, où Barrès, dans un mouvement assez révolutionnaire, pas tant pour l'époque, mais pour nous aujourd'hui, condamne tout à la fois les idéaux de liberté, de raison et d'égalité, puisque chaque individu n'a de sens qu'en tant que maillon de cette tradition. En fait, il n'est qu'un passé et un futur. L'individu est un héritier et un passeur. Oui, je pense qu'il emploie l'expression d'un instant d'une chose éternelle. Oui, c'est ça, un instant d'une chose éternelle. Une trame qui n'est que l'image de Dieu elle-même, quelque chose comme ça. Et c'est fascinant de voir, justement, ce passage de l'absolu au relatif qui redonne naissance à la tradition. Comme quoi, à ce titre, il nous apporte beaucoup, comme quoi l'homme ne peut pas vivre que de lui-même. Socrate disait... un homme qui vivrait de lui-même ou qui ne penserait que par lui-même, ce serait quelqu'un qui essaierait de porter sur ses épaules ses propres jambes, ça n'a aucun sens. On n'est pas très très loin de ce genre de réflexion. Tout à fait. Donc c'est ainsi que se perd ce passage du moi au nous dont tu as déjà parlé en fait. Oui, tout à fait. Il y a le roman en fait, le jardin de Bérénice qui est le troisième tome, du culte du moi, qui à ce titre est très important parce que Barrès, dans Un homme libre, redécouvre la tradition, il se sent le Rhin, comme il le dit, c'est la vérité d'un homme libre, je suis le Rhin. Ça sort un petit peu comme un éclair, ça a l'air parfois même ridicule quand on le dit comme ça aujourd'hui, mais pour Barrès c'est très important, parce qu'il faut bien s'imaginer que c'est quelqu'un qui est profondément perdu spirituellement et qui retrouve un point d'appui, et ce point d'appui qui
qu'il faudrait, je crois, et c'est là qu'il faudrait se garder de cette erreur, ce point d'appui du cri « Je suis Lorrain » n'est pas l'enracinement tel qu'on le connaîtra chez Barrès par la suite. C'est encore très idéaliste, en fait, comme enracinement. Et c'est surtout une création quasiment mythologique, parce que Barrès, même s'il est Lorrain et qu'il naît en Lorraine, à cette époque ne connaît pas la Lorraine, l'ignore même un peu complètement, il vit à Paris et il essaye plutôt de faire ses lettres parisiennes. Et la Lorraine qu'il se construit est une Lorraine imaginaire, une Lorraine mythologique, mais qui montre en fait l'importance du mythe aussi pour la psychologie humaine d'une certaine manière. Il faut savoir mythifier sa propre vie et Barrès le montre bien là. Mais il n'est pas encore non plus au culte de la terre et des morts, parce que son premier réflexe, une fois qu'il a prononcé son cri « Je suis Lorrain », est de courir à Venise. Et Venise tiendra une place essentielle dans les romans et dans la vie de Barrès, il l'aimera beaucoup, parce que Venise est l'excitatrice en fait des passions mortes aussi, et de la mort en général. Par la contemplation de Venise, quelque part, il se stimule également. Pour le public, peut-être il serait bien de préciser que Venise, à cette époque, est pour Barrès une splendeur en décadence. C'est-à-dire c'est une cité qui fut autrefois belle, mais qui n'est plus belle. Et ce qui intéresse Barrès, c'est de voir que quelque chose a pu être beau et est mort. Et là, de nouveau, il y a quelque chose de... Oui, Barrès a vraiment une fascination pour la décadence, pour la mort, pour l'obscurité. En fait. Ah oui, totalement, totalement. À ce titre, il jure très fort avec Maurras, d'ailleurs, oui. On reviendra dessus. Mais ça fait partie de Venise, comme même Tolède, ses voyages en Espagne, fait partie de ses contemplations pour la mort qui le fascine. Mais c'est toujours la mort qui a pu manifester une beauté. C'est pas simplement le cadavre. Le cadavre, c'est la chair, c'est quelque chose qui n'a pas été mythifié dans son existence. Alors que la mort d'une ville comme Venise, c'est une ville qui a été mythique, mais qui a perdu son mythe. Tout à fait. Je crois que c'est là où on tient bien la leçon d'un homme libre, parce que en fait, il faut retrouver l'idéal, il faut retrouver le mythe, il faut revivifier la spiritualité humaine. Et ce qui nous amène en fait au jardin de Bérénice, qui est un drame plutôt mieux ficelé, je dirais. On a plus à faire un roman là, oui, que les deux premiers romans du culte du mois, qui est un drame qui se passe pendant les élections boulangistes, que Barrès connaît, parce qu'il écrit en 1891 le jardin de Bérénice, donc il vient d'être élu candidat boulangiste, il met tout ça en œuvre, et la figure de Bérénice en fait représente la figure de l'inconscient, la figure de l'élémentaire, mais aussi de l'élémentaire mythique. Bérénice en fait représente la tradition populaire, la tradition que le moi va revivre et redécouvrir. En fait, il quelque part, en se mettant en contact de cette jeune femme Bérénice, Barrès se rend compte de la nécessité de l'inconscient et du fait que le moi cristallise en lui, et c'est ça qui est intéressant, l'inconscient qui l'a précédé. Pour décrire la terre et les morts, Barrès parlera toujours de l'action terrienne des morts. Quelque part presque du capital culturel qui a été accumulé, ce qui a tant à voir avec les pratiques folkloriques comme la construction littéraire ou le paysage même. Et tout ça vient se catalyser dans le moi et le dote de cette manière, et il a un beau mot pour ça, de cette manière si particulière de sentir, duquel il pourra vivre en fait et duquel il pourra partir justement pour redécouvrir ce fameux nous qu'il abordera dans le roman de l'énergie nationale. Donc il y a une translation qui se fait chez Barrès, comme ça. Nous avons donc d'abord cette déception par rapport au relativisme, cette incapacité d'en vivre, puis la découverte de la vanité du moi, la nécessité d'un ailleurs, le retour à l'inconscient, l'inconscient qui baigne les hommes dans chaque chose, la découverte dans l'inconscient du besoin d'enthousiasme. Barrès dira « La vie est bien triste à celui qui n'a pas à toute heure sous la main un enthousiasme ». Et puis, à partir de là, la cristallisation de l'inconscient dans le moi et son départ vers l'énergie nationale. Et donc, on voit vraiment comment la découverte, Barrès dit le mot, donc je me permets de le dire aussi, de l'inconscient racial, de l'inconscient de la race qui porte l'individu, devient l'assise en fait de cet enthousiasme qui lui permettra d'élaborer sa doctrine future du nationalisme. Ce qui me fait dire aussi, et c'est peut-être bien de le mentionner à ce niveau-là, c'est que Barrès est un auteur qui se dira socialiste, et je crois que le jardin de Bérénice est en fait le premier moment socialiste de Barrès. Parce que le socialisme pour Barrès n'est pas synonyme que d'émancipation économique, il est synonyme d'émancipation totale.
De nouveau, presque un idéalisme à ce niveau-là. D'ailleurs, Barrès aimera pas mal Fourier, Charles Fourier, qui sera ce philosophe... Un de ces socialistes utopiques qu'avait dénoncé Karl Marx. Oui, tout à fait, tout à fait. Et il n'en aimera pas tant pour ce que Fourier veut mettre en place, l'histoire des phalanstères, oui, celle du collectivisme, etc. Mais plutôt pour l'envie de l'idéal. Et le mot idéal prend là tout son sens, parce que l'idéal et l'inconscient sont fondamentalement liés l'un à l'autre. Il n'y a pas d'idéal sans inconscient, parce que l'inconscient... et quelque part le moteur énergétique vital de l'idéal. C'est celui qui lui apporte à la fois le sang des ancêtres, et qui lui donne en même temps sa doctrine d'action. Et ce mot, le fait de pouvoir agir, on sait combien il est important dans l'œuvre de Barrès, mais on ne trouve pas de colonne vertébrale à l'action en dehors de la tradition, en dehors de la contemplation justement de ces actions passées que l'on porte inconsciemment en soi. Et tout l'enjeu en fait du Barrès qui suit, c'est la traduction de cet inconscient en action politique. Tu as cité aussi deux mots capitaux, la race, le sang. Mm-hmm. Est-ce qu'il n'y a pas également une influence capitale dans cette évolution du moi vers le nous chez Barrès, qui est un certain Jules Souris, scientifique de l'époque, qui est totalement oublié de nos jours. Est-ce que tu pourrais en dire quelques mots? Alors oui, le culte du moi est terminé avec la publication en 1891 du Jardin de Bérénice. Barrès commence à suivre les cours de Jules Souris en 1893. Je fais l'indistinction temporelle pour bien marquer, autant Barrès a déjà certaines idées en place, autant il trouvera chez Souris la confirmation. Pourquoi je le dis? Parce que Souris, un de ces grands génies typiques du 19e siècle, qui maniait à la fois la physiologie, la physique, la littérature... Et surtout est un de ces grands génies qui mettra sur pied une doctrine dans son livre qui, sur l'histoire du système nerveux central, mettra donc sur pied une doctrine qui voudra expliquer l'apparition du système nerveux dans l'être humain par la race. Et ce faisant, quand je veux dire l'apparition du système nerveux, plutôt l'apparition même de l'inconscient et la manifestation de la pensée et de l'inconscient par la race. Ce faisant, pour Souris, en fait, chaque individu n'est que le produit de sa race. Donc déjà, on est dans un relativisme total, puisqu'il n'y a plus de vérité universelle. Les individus ne sont que l'aboutissement d'une race en eux. Et en même temps, pour Souris, c'est significatif à la fois d'une mise en cause complète de la liberté. La liberté ne veut plus rien dire, en fait on est toujours prisonnier des pensées et de la race de laquelle on fait partie. Et là je dirais il y a quand même un point une différence entre Souris et Barrès. C'est autant Barrès trouve chez Souris une forme de confirmation intellectuelle de sa théorie, parce que comme je viens de le dire, le moi retrouve sa tradition par sa propre analyse et se découvre comme étant le produit de sa tradition. Mais il y a toujours quand même l'aspect d'ailleurs et de création libre, de rêverie, ce qui fait que la notion d'idéal tient quand même encore une place essentielle. La notion d'idéal est une notion très égotiste et individualiste, pour le dire ainsi, qui n'est pas compatible à 100% avec la pensée de Souris. La pensée de Souris est vraiment un déterminisme absolu, un déterminisme racial absolu. Il participe quand même de ce scientisme auquel Barrès s'opposait en quelque sorte. Oui, oui, il participe de ce scientisme, parce qu'il y a le déterminisme, veut dire analyse causale stricte. Tout individu est le produit de sa race, donc en retraçant la race, en faisant la raciologie, quelque part, on pourrait redécouvrir quelles seraient les pensées de l'individu. Et après, ce que Barrès voit confirmer chez Souris, c'est vraiment l'idée que l'inconscient est le produit de la biologie, enfin de la race d'un individu. À ce titre, d'ailleurs, j'aimerais bien mentionner, juste pour faire court et pour compléter la synthèse sur les rapports entre Souris et Barrès, il y a le fameux livre de Ziv Sternel sur Maurice Barrès, donc Maurice Barrès et le nationalisme français, où la thèse de Sternel, c'est d'essayer de prouver que Barrès est à l'origine du fascisme et du racialisme en France. Alors à certains aspects, ce serait pas faux, simplement, il tire vraiment et il force le trait. Souris est une personnalité chez qui Barrès en fait trouve une confirmation scientifique de ses propres hypothèses, mais ne se met pas à y croire parce qu'il découvre Souris et l'explication biologique et raciologique de Souris. Au contraire, plutôt, Barrès voit
chez lui une confirmation à ses yeux de sa propre philosophie. À ce titre, d'ailleurs, c'est assez bien expliqué dans la biographie qui a été publiée récemment de Barrès, de Maurice Godot, Emmanuel Godot. Godot. Non, de Maurice Godot, d'Emmanuel Godot, donc, où il montre quand même que le lien entre souris et Barrès est à nuancer, et je pense que c'est important. Et je rajouterais quelque chose, c'est vraiment important du point de vue justement de cette. Quelque part de cette antinomie dont je parlais entre l'individualisme barésien et cette envie de rêverie, et d'ailleurs, parce que le déterminisme de souris ne permet pas justement de s'évader quelque part. Alors que Barès continue à s'évader. Il y a toujours cet aspect de libre création, du moins, dans le jardin de Bérénice, et ça montre encore l'idéalisme de Barès. Barès dira que nous créons notre monde. C'est symptomatique de dire que nous créons notre monde. Le moi crée son monde en fonction de son imaginaire. Il y a presque du perspectivisme là-dedans. L'individu est un produit, mais est un produit actif dans sa tradition. Il s'en fait un à cette époque, du moins, je pense que Barès nuancera petit à petit sa pensée, et peut-être changera même un peu d'avis, ce sera l'occasion d'en parler. Mais à cette époque, du moins, le moi a une part active dans l'interprétation de sa tradition. Et je pense que le mot le plus important pour comprendre le rapport entre le moi et la tradition chez Barès, ce sera celui de, peut-être, je me corrige, ce sera celui d'acceptation, pour commencer. Donc plutôt une part passive, parce que l'acceptation est un simple reçu. Et puis il y a la part de biographie. Et je pense que biographie est un mot que Barès utilise très souvent pour parler de son nationalisme et pour parler de l'enracinement. Il faut toutefois le stipuler ici, parce que dans le culte du moi, il y a une biographie du moi, mais qui s'entend vraiment au sens de généalogie. Le moi fait sa propre généalogie pour se comprendre lui-même. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il se retrouve tel quel produit de ses ancêtres. Au contraire, il développe une perspective sur lui qui lui donne en fait un point d'appui pour pouvoir trouver son nationalisme. Et il, quelque part, le titre le dit bien, ça reste un homme libre. Je suis libre parce que je retrouve ma tradition, mais je ne suis pas enfermé par ma tradition. Il y a vraiment une dialectique à garder en tête entre la tradition et quelque part le perspectivisme que l'individu a sur sa tradition. On est à la fois le produit de sa tradition, mais on en est le continuateur. Très bien, alors là tu as fait un très beau panorama de toutes ces perspectives intellectuelles de Barès à cette époque. Je propose que nous reprenions un petit point biographique. Avec un épisode très important pour la vie politique française de la fin du 19e siècle, qui est l'aventure boulangiste, le fameux général Boulanger, car Barès fut un soutien de cette aventure boulangiste. Alors, très simplement, comment expliquer la participation de ce dandy égotiste à cette aventure politique ? Eh bien, en fait, au début, c'est vrai qu'on a envie de dire que ça ne s'explique pas. Barès, à cette époque, est vraiment perçu comme un anarchiste. Plus tard, je crois que c'est en 1893, il écrira L'ennemi des lois, qui sera un petit peu le point d'aboutissement de son épopée anarchiste. Mais même à cette époque, Barès est l'homme de l'individualisme, de l'égotisme, du moi, du culte du moi. On le critique beaucoup pour ça. On va dire, si on peut parler à cette époque de droite, mais la pensée conservatrice de l'époque le critique comme étant celui qui remet en cause l'ordre social par son exaltation du moi, de l'individualisme. Je crois que le recteur de l'Université de Paris se mord les doigts du fait que les rhétoriciens lisent Maurice Barès en priorité avant de lire les auteurs les plus dogmatiques. Donc Barès n'est pas un dogmatique, et a priori on le voit pas prendre part à la vie politique, on le voit plutôt rester un littéraire. Et puis, en fait, d'une manière très logique, Barès, qui était à la recherche d'un enthousiasme, passe à la recherche de l'énergie. D'une certaine manière, l'enthousiasme, c'est l'énergie individuelle, et l'énergie nationale, pour des gens donnés, où l'action, c'est l'enthousiasme du nous, c'est l'enthousiasme de la nation collective. Et Barès voit là, dans l'épopée boulangiste, je vais préciser tout de suite quelle est cette épopée, qui est le général Boulanger, mais voit dans l'épopée boulangiste, en tout cas, une opportunité de réaliser quelque chose, ou en tout cas, voit une manifestation de l'énergie, et en penseur, et en amoureux, et en quêteur quelque part de l'énergie, il va s'y jeter. Et il va vraiment s'y jeter à Coréa, puisqu'il deviendra député boulangiste après avoir fait une campagne à Nancy. Alors d'abord, peut-être un petit point sur qui était le général Boulanger.
Donc le général Boulanger, ou autrement surnommé le général Revanche. On ne va pas rentrer dans les détails de l'expédition Tonkin, etc., qu'il revient de faire, mais donc, Boulanger, en 1787, plutôt auréolé de gloire militaire, commence à être connu de la population. Il y a plusieurs causes à ça, je vais en détailler que quelques-unes. La première, c'est que le sentiment anti-allemand commence à monter. On le sait, il y a eu la prise de l'Alsace-Lorraine par l'Allemagne. À cette époque, en 1787, il y a également l'affaire Schnabelé. Donc, pour faire simple et très rapidement, t'as un commissaire français qui se fait arrêter par des circonstances très obscures par deux fonctionnaires allemands. Donc il y a une forte tension entre l'Allemagne et la France, à tel point que même l'Allemagne mobilisera des hommes à sa frontière. Je crois pas que la France mobilisera, mais forte tension diplomatique. On n'est pas très très loin de la guerre. Et Boulanger apparaît aux yeux de la population comme étant celui qui est capable de prendre les choses en main. Là, il y a un petit peu la tradition de l'homme providentiel qui se réveille en France, et c'est un général, c'est un militaire. Tradition bonapartiste. Tradition bonapartiste. Et Boulanger en profite, en fait, saisit l'occasion d'une certaine manière. Bon, il est un peu expédié et mis à la porte par le gouvernement, il est limogé à une ou deux reprises. Voyant l'engouement populaire qu'on lui montre, il sera notamment élu par suffrage direct sans avoir même posé son nom dans une circonscription. Quelque part, Boulanger en fait prend et rassemble ensemble toutes ces énergies françaises qu'il voit se manifester autour de lui contre le régime parlementaire. Première tendance du Boulanger, c'est l'antiparlementarisme. C'est là-dessus, on va dire qu'il y a le plus d'unité dans le groupe. Parce c'est que le consensus. C'est ouais. Le consensus, parce que le Boulanger se souffrera toujours d'une absence complète de doctrine, mais sur l'antiparlementarisme, tout le monde est d'accord. Et alors, on pourrait aller très vite, parce qu'il faudrait détailler beaucoup plus longuement l'histoire de Boulanger. Boulanger tentera l'aventure des élections. Pour une part, il sera élu dans plusieurs circonscriptions. Il entrera à la Chambre comme un député, puis ensuite, il y a une levée de son immunité parlementaire. Il va presque être arrêté par le gouvernement français qui exerce une dictature à son encontre. Parce que, en soi, oui, il est révolutionnaire, mais il s'est fait tout de même élire, donc il y a un non-respect de la démocratie de la part de la Troisième République. Il va à la guerre de Lyon, il y a un épisode que Barrès raconte dans l'appel aux soldats, où il y a des milliers et des milliers de personnes, plus de 10 000 je crois, qui arrivent à la guerre de Lyon, qui soutiennent Boulanger. Il aurait fallu qu'il dise à ce moment-là à l'Elysée, la chose était faite, mais Boulanger fuit en Belgique, et l'aventure boulangiste en fait capote de plus en plus, et le boulangisme se termine vraiment avec le suicide du général Boulanger, en Belgique d'ailleurs, à Ixelles, sur la tombe de sa maîtresse en 1891. Une fin peu glorieuse. Oui, plutôt, oui. Mais qui est révélatrice, en fait, du manque d'engagement de Boulanger. Je crois que Boulanger était dépassé par la situation qu'il avait mise en œuvre, et il a souffert, et l'état-major boulangiste a souffert de l'absence de doctrine. Pour donner une idée très rapide de l'état-major de Boulanger, on retrouve tout à la fois des radicaux, donc des gens plutôt d'extrême-gauche, socialiste même, parfois. On retrouve, du fait de ses soutiens financiers, les monarchistes, et on retrouve aussi des bonapartistes. Donc, en fait, il y a toute l'opposition antiparlementaire à la Troisième République. Tous les insatisfaits du régime, en fait. Tous les insatisfaits du régime. Le coup de force aurait été possible, mais sur quelle base? Et en fait, le boulangisme souffre de cette question, c'est quoi pour après? Enfin, que faire après? Et bon, d'une part, rien se fera, et d'autre part, peu de programmes, pas beaucoup de doctrine. Simplement, Barrès s'y lance, parce qu'il voit dans ce mouvement la manifestation donc de l'énergie, la manifestation d'un enthousiasme national. Et c'est là qu'il faut faire une distinction. En fait, il y a deux boulangismes pour Barrès. Il y a à la fois ce boulangisme politique, pour lequel il milite activement, mais il y a surtout ce boulangisme plus spirituel, en fait. Ce second boulangisme qui sera plutôt la manifestation continue d'un certain état d'esprit français, qui à la fois recoupera des aspirations socialistes et des aspirations nationalistes, des aspirations de revanche, des aspirations antiparlementaires. Et pour Barrès, l'objectif sera celui-là, ce sera de continuer à être boulangiste, même après le boulangisme, mais en tant que figure représentative de ces aspirations socialistes, antiparlementaires et nationalistes qui sont manifestées en France. Donc il y a un boulangisme qui continue pour Barrès, ce qui fera d'ailleurs qu'une fois qu'il sera élu député, d'ailleurs, plus jeune député élu à l'époque, à 27 ans, en 1889, Barrès
continuera à militer pour le boulangisme, après même le boulangisme. Il aura un très bel article qui sera écrit par lui, je crois que c'est en 1891, où il parle de boulanger et de la jeune génération, et c'est révélateur du type de personnalité qu'est à cette époque Barrès, parce qu'il est profondément révolutionnaire à l'époque. Il décrit le général Boulanger comme étant la figure principale pour la jeunesse, celle dans laquelle la jeunesse voit ses aspirations de révolutionnaire être manifestées et s'incarner. C'est une part qu'on met pas souvent en avant, mais Barrès est vraiment révolutionnaire au début. Son désir le plus profond en politique, c'est de voir cette classe parlementaire qu'il déteste, hein, je crois qu'on peut employer le mot, être mise à la porte du régime. Et notamment dans le boulangisme barésien, il y a plusieurs éléments qui vont être pour la première fois formulés par Barrès et qui ont une importance pour le Barrès politique au fur et à mesure de son œuvre. Il y aura d'une part le socialisme. Le socialisme barésien commence avec l'aventure boulangiste, même si j'ai dit, à mes yeux, on peut l'incarner avec le jardin de Bérénice. Oh, pardon, il s'incarne déjà pour une part avec le jardin de Bérénice. Néanmoins, pragmatiquement, le socialisme barésien commence avec l'aventure boulangiste, il formule des programmes, programmes pour la protection des ouvriers français, des programmes pour des caisses d'épargne, tout ça il le fait dans sa circonscription de Nancy. Il sera élu d'ailleurs pour ce genre de choses. Donc, Barrès siégera plutôt à gauche d'ailleurs, à l'extrême gauche. Et en même temps, comme je dis, c'était Adam, boulangiste, second boulangisme de Barrès qui préfigure son nationalisme. Il y aura ensuite, parce que le mouvement boulangiste se distingue aussi par une certaine forme d'antisémitisme, en tout cas pour Barrès, et quelque part, les trois données prises ensemble montrent que Barrès va vraiment préfigurer la politique des masses qui aura peut-être cours au XXe siècle. Et à ce titre, Barrès a toujours été un propagandiste de génie parce qu'il va utiliser l'antisémitisme pour pouvoir cristalliser l'opinion populaire. Il y a, à l'époque, bon, c'est de fait dans la société, donc il n'y a rien de bien nouveau à dire ou de bien scandaleux, mais tout le monde est un petit peu antisémite parce que il y a l'antisémitisme par rapport au grand capital, la plupart des banquiers étant juifs ou perçus comme étant juifs. Plutôt un antisémitisme de gauche, entre guillemets. Oui, plutôt un antisémitisme de gauche. Il y aura un antisémitisme plus racial, qui sera même incarné par des personnalités comme Souris, dont on a parlé, par Édouard Drummond aussi. Tout ça montre la capacité de Barrès à utiliser cette figure de bouc émissaire pour pouvoir mobiliser son programme et pour pouvoir être élu dessus. Et est-ce qu'on pourrait dire que cette aventure boulangiste a été le point de départ chez Barrès de cette intuition que le nationalisme avait besoin d'une doctrine? Oui, je pense. Je pense que, en effet, Barrès voit très vite que le boulangisme souffre de cette absence de doctrine. Et à ses yeux, pour mener cette pratique politique, il faut une doctrine qu'il commence à mettre en œuvre à ce moment-là, qui est la doctrine nationaliste. Simplement, c'est encore un nationalisme qui reste très... très tenu à la notion d'intérêt. C'est l'intérêt français qui compte d'abord. On résout toutes les questions par rapport à la France. C'est cristallisé. Ça, c'est notamment cristallisé par le fait que Boulanger représente la revanche contre l'Allemagne. Donc, petit à petit, il y a une translation comme tu le dis, de ce Barrès qui est plutôt littéraire vers ce Barrès qui est nationaliste et qui se rend compte de la nécessité de fonder un discours rationnel, politique, pour faire adhérer les masses à un projet. Parce que Barrès est très conscient du danger dans lequel est la France. En face de lui, il y a une Allemagne unifiée. D'ailleurs, une petite anecdote à ce sujet, mais Barrès dira « Malheureusement, la France n'est pas une race. » Or, le caractère racial a pu contribuer notamment à l'unification de l'Allemagne, étant donné il y a le fameux discours de Fichte à la nation allemande. Donc, étant donné qu'il y a ce facteur racial fort qui unifie l'Allemagne, l'Allemagne est beaucoup plus dense politiquement et est beaucoup plus unitaire que la France. Et la France connaît à cette époque plutôt un patchwork de régions. Chacun y va un petit peu de son propre avis. Et Barrès se rend compte de la nécessité de venir, quelque part, encercler tout ça dans une doctrine française qu'il mènera très très bien, parce qu'il ira jusqu'au fédéralisme aussi lui-même, mais un fédéralisme particulier, bon, on reviendra peut-être plus tard là-dessus, qui ressemblera à bien des aspects à celui de Maurras et de Proudhon. De Proudhon, oui. Oui. Tout à fait. Alors, avant d'aborder cette seconde partie, donc, qui est le nationalisme de Barrès à proprement parler, je voudrais te poser une
Dernière question sur ses premiers romans, un de ces romans que tu as mentionné un peu plus tôt, qui est très peu connu, mais qui fait écho à ce barèze révolutionnaire dont tu parlais, et qui est L'ennemi des lois. L'ennemi des lois, pourrais-tu en dire quelques mots? Oui, alors d'une part, c'est un de mes romans favoris dans l'œuvre de Barrès. C'est le roman où il y a vraiment une trame aussi. Donc, c'est un roman qui est plus Plus aisé classique et plus dans la classique. construction. Oui, tout à fait. C'est un roman assez particulier parce qu'il met en scène un personnage qui s'appelle André Malter, qui est une espèce d'anarchiste. André Malter est. La scène commence au début. On a jeté une bombe parmi les officiers de Saint-Cyr, et André Malter tenait à l'époque tenait un journal, et il est accusé d'avoir commis l'action. Et en fait, à son procès, Barrès décrit ça, c'est assez amusant d'ailleurs, comme s'il se moquait des juges, parce que les juges lui posent une question, êtes-vous coupable? Et il lui répond, et André Malter leur répond par une tirade philosophique. Et enfin, cette tirade philosophique du début montre la volonté de remettre en question l'ordre social. Et c'est d'ailleurs le fond du livre, qui porte bien son titre, c'est la volonté pour Barrès de montrer qu'il est nécessaire, pour pouvoir revitaliser l'État français, de remettre en question l'ordre social. Et à mes yeux, ça tient en fait à la réception ambiguë que peut faire Barrès de la Révolution. Alors je m'explique. La Révolution française, pour Barrès, est à la fois quelque part vue positivement et vue négativement. Positivement, ça a été un moment d'énergie, un moment d'idéal, de mise en pratique des énergies populaires. Il y a quelque chose à valoriser à ses yeux là-dessus. L'action s'y manifeste. Il ne s'agit pas de juger quels ont été les effets politiques. C'est juste montrer que l'action s'est développée, qu'il y a eu un enthousiasme. Et en même temps, quelque chose de négatif, c'est le résultat de la Révolution. En fait, la Révolution a accouché d'une classe parlementaire, la Troisième République, qui est encore plus conservatrice et plus lourde à porter pour le peuple que les autres. Et pour Barrès, c'est ça qui est intolérable, c'est que cet ordre social, quelque part, empoisonne sa vie. Il a devoir supporter un ordre parlementaire bourgeois, matérialiste, alors que lui-même ne fait que rêver à l'esprit, à quelque chose d'un peu plus élevé, à un nouveau mythe, quelque part. Il y a très belle citation de L'ennemi des lois, où d'une part André Malter dit ces morts nous empoisonnent. Là, on peut comprendre maintenant que ces morts qui nous empoisonnent, ce sont ces morts bourgeois, ces morts parlementaires, ces personnes qui en fait sont décédées suite à la, enfin, dans la tradition révolutionnaire, mais qui n'ont pas contribué à continuer à mythifier et à sublimer la collectivité, le social. Et en même temps, il y a justement ces prises de position vers un nouvel ordre social, un idéal. À ce titre, Barrès reprend vraiment la pensée, parfois, enfin le mot en tout cas de Jean Jaurès, d'idéal social. Il faut faire en sorte que les hommes participent à un système social dont, quelque part, l'objectif n'est pas le bien-être matériel, le ventre, comme il le dit si bien, mais, d'une certaine manière, la spiritualité, l'esprit. Et je dirais que la grande morale qu'on peut tirer de l'ennemi des lois, c'est par-dessus le ventre, remettre l'esprit. En tout cas, c'est ma lecture, c'est comme ça que je l'ai perçu. Et il y a une très très belle critique qui permet de nourrir un petit peu ce que je dis là, par Barrès, pardon, du marxisme en fait. L'ennemi des lois contient une lourde critique même du marxisme. Bon, mis à part le côté antisémite qui est mis en place dans cette critique, Barrès voit assez juste en fait. Quand il va dire, le problème du marxisme, c'est qu'il veut transformer l'ouvrier en bourgeois comme un autre. En fait, l'émancipation marxiste, et il le dit de cette manière-là, n'est pas une véritable émancipation, parce qu'elle se fait toujours dans le monde économique. Ce qu'il faut, c'est une émancipation totale à la société. Et cette émancipation totale, c'est ce qui fait l'anarchisme de Barrès aussi, c'est l'ordre de la Troisième République, même avec les socialistes qui ont fait leur entrée au Parlement en 1875, ne vont pas assez loin dans l'émancipation humaine. Ce qui compte, en fait, c'est de retrouver l'endroit où peut se manifester la spiritualité de l'homme. Il y aura aussi un très beau passage, et c'est pour ça que je parlais du wagnérisme de Barrès au début, qui se passe dans les châteaux de Louis II de Bavière. Il participe, je crois, avec une des protagonistes du roman. Donc André Malter part
visiter les châteaux de Louis II de Bavière. Et en fait, ce qu'il en tire, c'est la préfiguration d'une éthique nouvelle. Ce qui montre donc bien que la volonté de Barrès n'est pas une volonté, comme on le dit souvent, Barrès n'est pas qu'un conservateur, Barrès n'est pas qu'une personnalité qui tient au culte de la terre et des morts. Non, non, Barrès est un homme d'abord qui a tenu à l'idéal, à l'enthousiasme, quitte à mettre par terre une société, comme il a voulu le faire avec l'aventure boulangiste, parce que l'aventure boulangiste, l'objectif de Barrès, c'était de militer pour une démocratie, on va dire, du chef, plébiscitaire, à suffrage direct, pour faire en sorte que cette classe parlementaire disparaisse. Après, il nuancera évidemment pour pas non plus qu'il y ait de tyrannie du pouvoir central ou jacobine par un certain fédéralisme et par Proudhon. On reviendra aussi plus loin là-dessus, notamment en abordant son socialisme. Oui, comme Maurras, il était quand même attaché à une forme de décentralisation. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, et ça me permet de dire d'ailleurs, en fait, pourquoi Barrès s'oppose à ce point à la matière? Pourquoi est-ce qu'il s'oppose à ce point au jacobinisme? Parce qu'en fait, il a une peur bleue de l'uniformité. Enfin, c'est pas que tant qu'il en a une peur bleue, c'est qu'il a une haine de l'uniformité. L'uniformité matérielle que le marxisme pourrait mettre en place en émancipant uniquement les ouvriers économiquement et en faisant en sorte que tous participent du bien-être, le même bien-être pour tous, ce n'est plus le même bien-être pour tous. Quelque part, cet égalitarisme-là, ce n'est plus le culte très exigeant que Barrès pouvait aimer ce n'est pas compatible avec le culte très exigeant que Barrès mettait en œuvre dans le culte du moi. Dans le culte du moi, Barrès dira le secret d'effort est de se contraindre sans répit. Il faut bien comprendre cette phrase. Si le secret d'effort est de se contraindre sans répit, c'est que le but est de se surmonter soi-même continuellement. Or, le marxisme empêche cela parce qu'il condamne l'homme au bien-être et à l'économisme. Et d'une autre manière, et tu le dis, la décentralisation, pourquoi? Parce que c'est l'uniformité, de nouveau, l'uniformité politique qui impose à tous les mêmes lois, qui impose à tous la même règle sociale. Et pour Barrès, c'est intolérable, parce qu'après tout, pourquoi un ouvrier qui est lorrain et donc qui a plus à faire avec l'Allemagne devrait avoir la même loi sociale qu'un ouvrier breton qui, lui, a plus à faire avec l'Angleterre et les échanges économiques maritimes? Pour Barrès, ce qui compte, c'est l'application d'un principe de proportionnalité et la culture de soi qui n'est pas limitée justement par la collectivité. Ça me permet de terminer là-dessus. Pourquoi est-ce que Barrès était appelé anarchiste? Pourquoi est-ce qu'il remet en cause cet ordre social? C'est parce que, à ses yeux, et pour faire une bonne lecture de Barrès, il faut vraiment voir l'importance à ses yeux donc de la dialectique continuelle entre individualisme et collectivité. Ce qui fait qu'on ne peut pas supprimer chez Barrès le culte du moi du roman de l'énergie nationale. On ne peut pas supprimer le culte du moi du nationalisme. Il y a toujours un rapport dialectique à maintenir entre les deux, qui est notamment maintenu par la question de son socialisme. Ce qui fait aussi, et je me permets déjà de le dire, quand parfois on ne lit que le Barrès littéraire et puis on oublie le Barrès politique, en fait, on met à bas cette dialectique et on oublie aussi de voir la continuité entre le programme politique et le littéraire qui cherche justement ce fameux maître du culte du moi ou cette fameuse réalisation. Bien, justement, alors ne faisons pas cette scission et passons à cette question du nationalisme de Barrès proprement dit, à cette dimension plus directement politique, on va dire. On va parler de l'affaire Dreyfus et tout ce genre de choses. Car quand on pense à Barrès de nos jours, c'est principalement à Barrès en tant que père du nationalisme français qu'on le fait. Pourtant, il ne faut pas avoir une vision biaisée et caricaturale de son chemin intellectuel, comme tu l'as dit. On a vu que le jeune Barrès, du culte du moi, incarnait même une forme de modernité littéraire. On a parlé de la forme très spéciale de Sous l'œil des barbares, de l'homme libre. Barrès, c'est un peu difficile de le croire aujourd'hui, mais c'était la modernité, en fait. C'était la modernité dans le Paris de l'époque. Tout à fait. Or, ce dernier a d'abord pris parti pour une forme de cosmopolitisme littéraire, ce qui est assez surprenant. Dans un article de 1892, en effet, un article intitulé « La querelle des nationalistes et des cosmopolites ». Je pense que c'est d'ailleurs dans cet article qu'il introduit le terme de nationaliste. C'est tout à fait vrai. Tout en prenant parti pour le cosmopolitisme, ce qui est tout à fait cocasse. Et dans cet article, il défendait le recours aux littératures étrangères.
Alors je voudrais faire cette petite citation qui est tout à fait intéressante. Les littératures étrangères nous donnent ces curiosités de bouche si nécessaires à des lettrés français fatigués de la table nationale trop bien servie. Vive la France, elle est parfaite, mais surtout, vive l'Europe. Elle a pour nous ce mérite d'être un peu inédite. Elle nous réveille par des poivres et des épices nouveaux. Nos maîtres français sont des épiciers dont nous avons épuisé la boutique. Citation vraiment extrêmement parlante, je trouve. Est-ce que tu pourrais revenir sur ces goûts européens, justement, qui ont d'abord forgé Barrès ? Oui, très belle citation donc, sur les goûts européens de Maurice Barrès. Alors, c'est quelque chose qui n'est plus avancé. Je disais, je mentionnais tout à l'heure en commençant l'entretien qu'on tirait parfois Barrès uniquement du côté français, un peu même trop germanophobe pour ce qu'il a été à ses débuts. Or, Barrès est d'une part un homme qui a beaucoup voyagé, l'Espagne, Venise, l'Italie. L'Orient également, oui, tout à fait, auquel il ira à la fin de sa vie. L'Allemagne, parce qu'il a vu les châteaux de Louis II de Bavière. Je crois même que Barrès fait le pèlerinage à Bayreuth, si je ne me trompe pas. Donc tout ça sont des éléments essentiels qui contribuent en fait à ouvrir aussi la perspective de son nationalisme. On pourrait en fait distinguer le nationalisme en nationalisme fermé, nationalisme plutôt, on va dire, ouvert. Attention à ce qu'on met derrière les catégories et ces mots. Mais je crois que par cette citation, Barrès en fait montre quel style de nationalisme il voudrait exercer. D'une part, c'est un nationalisme évidemment politique, donc tout se décide par rapport aux intérêts de la France, on ne va pas prendre le parti politique des pays qui vont attaquer la France, comme l'Allemagne, on ne va pas prendre leur parti politique, mais intellectuellement du moins, il peut y avoir un intérêt, il peut y avoir une tentative d'enrichissement de la part de ces pays. Alors, par ces pays, par l'intérêt qu'on peut porter, Barrès portera toujours un intérêt à Goethe, par exemple. Bon, l'histoire avec Wagner, évidemment, sera aussi essentielle dans son œuvre, même s'il reviendra un peu sur le Wagner, notamment dans les amitiés françaises, il reviendra sur son wagnerisme légèrement. Puis Barrès aussi participe à l'introduction, de Nietzsche au début. Nietzsche est traduit pour la première fois en 1891 en France, enfin traduit, des fragments de l'œuvre de Nietzsche sont traduits, Barrès en parlera. Et même s'il critiquera abondamment Nietzsche en 1901, quand il le lira pour la première fois, ça montre son caractère d'homme curieux, en fait, qui n'est pas justement comme ces nationalismes un peu plus fermés qui ont pu être développés. On peut penser notamment à Maurras, qui, par sa germanophobie franche, n'a presque jamais voulu toucher à la culture allemande. Bon, il y a Goethe quand même encore dans l'œuvre de Maurras qui est important, mais le reste est quand même vraiment mis de côté et condamné parce qu'allemand, tout simplement. D'ailleurs, Barrès, je crois, dans cet article, répond en quelque sorte à Maurras, où il fait référence, Maurras qui dit, en gros, pour caricaturer, que on n'a pas forcément besoin de s'intéresser aux littératures étrangères parce qu'on a déjà Racine, et Racine, c'est parfait. Tout à fait. Et Barrès dit, oui, peut-être que Racine est parfait, mais c'est quand même intéressant de s'intéresser à Tolstoï, de s'intéresser à Goethe. Tout à fait, tout à fait. En fait, comme tu le dis si bien, ça montre que Barrès n'a pas, sur ce point, vraiment changé entre ses débuts, aux taches d'encre, et le Barrès de 1892, parce qu'il est toujours le même homme qui a voulu revaloriser l'esprit dans la littérature, mais qui a bien compris aussi l'épuisement de la littérature française, et qu'il s'est posé la question de comment faire justement pour retrouver cet esprit dans la littérature, comment faire en sorte de dépasser la mort. Quand je dis la mort, dépasser l'esprit de mélancolie qu'il y a dans la littérature à l'époque. Et son hypothèse, en fait, est assez simple, c'est prenons le parti des cosmopolites. En fait, après tout, alors là, on pourrait faire des parallèles très intéressants avec ce que les disciples de Barrès pourront dire par la suite, mais après tout, pourquoi pas se nourrir au fond commun européen pour pouvoir nourrir la tradition française. Là, Il y a presque une dialectique à voir, comme elle a pu exister à l'époque de la Grèce antique, entre l'Éléade et la cité. La France est une cité parmi d'autres dans la culture européenne, et de temps en temps, lorsque la cité est moins forte, c'est l'Éléade qui revient, d'une certaine manière. Après, par dialectique, la cité, en étant retournée à son fond, retourne aussi à sa culture, et donc redécouvre aussi ses lettres. En fait, ce que ces citations montrent bien, c'est que le nationalisme de Barrès n'a pas à vocation à rigidifier, à scléroser la culture, mais plutôt sans cesse à la réépanouir. Donc la tradition chez Barrès, même si elle est un concept qui est fondamentalement alimenté par l'idée d'héritage, le fait qu'on hérite toujours d'une tradition, mais n'est jamais clos totalement. Il y a un enrichissement à avoir aussi dans cette tradition.
Tout à fait. Alors, toutefois, je ne sais pas si on peut dire que ce cosmopolitisme barésien durera très longtemps, car en effet, on a parlé de l'aventure boulangiste, donc du premier engagement politique de Barrès, mais un autre épisode majeur surviendra peu de temps après, c'est évidemment l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus qui sera vraiment, en quelque sorte, un élément déclencheur aussi de la vocation nationaliste de Barrès. Peux-tu rappeler les grandes lignes de cet événement? Alors, brièvement, parce que sinon, on pourrait vraiment faire toute une émission sur l'affaire Dreyfus en tant que telle, mais surtout nous parler de la ligne de conduite de Barrès durant les années de l'affaire. Oui, alors, comme tu le dis, en effet, ce cosmopolitisme barésien sera bousculé par l'affaire Dreyfus. Pourquoi? Parce que l'affaire Dreyfus, bon, si elle commence en 1894, n'a pas beaucoup d'impact à ce moment-là. On peut citer Jean Jaurès qui disait à cette époque « Dreyfus est coupable, il faudrait le pendre comme ses crimes de trahison devraient être faits ». Voilà, en 1894, pas grand-chose. 1898, il y a le fameux J'accuse de Zola, c'est le début de l'affaire Dreyfus. Et je crois que l'affaire Dreyfus, pour le dire très rapidement, parce que c'est une affaire assez compliquée qui demanderait beaucoup de temps et de détails, surtout des fils à tirer dans l'histoire de la politique française qui sont multiples et nombreux. Mais pour faire simple, il y a le camp des Dreyfusards, le camp des anti-Dreyfusards qui apparaît. Ceux qui défendent l'innocence de Dreyfus sont les Dreyfusards, les anti-Dreyfusards sont plutôt ceux qui s'y opposeront. Mais et qui défendent l'honneur de l'armée. Exactement, principalement. Mais disons qu'en fait, chacun parle de deux choses différentes, mais cela contribue en fait à marquer la politique française de manière ferme et définitive. Pourquoi? Parce que les Dreyfusards vont surtout mobiliser, on va dire pour parler comme Horace, des mots à majuscules. Justice, innocence, liberté, égalité, etc. etc. Donc ils vont établir un plaidoyer de la personnalité de Dreyfus qui va contribuer à introduire dans les débats de la politique française ces fameux grands mots à majuscules, ces fameux principes qui sont toujours aujourd'hui les garanties de la gauche quand elle doit se défendre de quoi que ce soit. Et à côté, à droite, on a plutôt un camp anti-Dreyfusard qui va avoir tendance à valoriser la raison d'État, la société, la collectivité, l'importance du fait qu'il faille une unité sociale pour qu'un pays existe, pour qu'ensuite on puisse parler justement de ces idées de justice, d'égalité. Donc il y a d'abord l'État en face des grands principes. Tout à fait, c'est un point quand même important à souligner, c'est qu'il y a évidemment le débat sur la culpabilité ou non de Dreyfus, mais en fait, à cette question de l'innocence ou non de Dreyfus s'ajoute un autre débat, beaucoup plus essentiel en fait, en tout cas entre tous ces différents protagonistes, qui est la question de la justice et de la société. Les Dreyfusards, dans la perspective de Barrès ou de Maurras, les Dreyfusards voulaient défendre la justice, avec un J majuscule, comme tu lis, la justice, l'innocent injustement condamné, contre la société qui est injuste. Et la position de gens comme Maurras ou Barrès, c'est de dire, oui, mais Maurras exprimera ça assez bien en une formule, il y a des sociétés injustes, mais il n'y a pas de justice sans société. Donc la première chose à défendre, c'est d'abord les grandes institutions sociales, en l'occurrence l'armée. Et du côté des anti-Dreyfusards, on soupçonne le parti des Dreyfusards d'utiliser Dreyfus pour attaquer, en fait, pour attaquer l'armée. Après avoir abattu les anciennes institutions monarchistes, après avoir combattu l'importance de l'Église dans la société, ben maintenant c'est au tour de l'armée. Tout à fait. Donc il y a une sorte de réaction extrêmement forte de ce point de vue. Et je pense que tu as raison de bien mettre en évidence ce point d'institution qui est au cœur de la défense des institutions, qui est au cœur de la pensée des Dreyfusards, parce que je crois que pour Barrès, en fait, le moment de l'affaire Dreyfus va contribuer à institutionnaliser son nationalisme, que plus que quelque chose d'un petit peu organique, voire même d'idéaliste, tel qu'il peut l'avoir à ses débuts, où il retrouve la tradition, l'affaire Dreyfus, c'est le moment où il se rend compte de l'importance de la nation comme institution politique. Alors, il va évidemment faire une distinction entre la nation telle qu'elle peut être défendue par les Jacobins, la Révolution française et son nationalisme à lui, qu'il voudra beaucoup plus fédératif, mais à cette époque, Barrès va vraiment marquer, et il va y avoir presque un tournant dans sa pensée, où le « nous » n'est plus seulement quelque part un organisme, mais d'une certaine manière, plus radicalement encore, c'est un organisme qui a sointé un État, et cet État doit exister pour faire en sorte que l'organisme continue.
Et c'est quand même significatif que l'époque de l'affaire Dreyfus suit et précède, en fait, se trouve en plein milieu plutôt de la publication du roman de l'énergie nationale, parce que Les Déracinés, donc le premier tome des romans de l'énergie nationale, sont publiés en 1897, 1900 pour l'appel aux soldats, et 1901, je crois, oui, pour leur figure. Tout ça contribue en fait à marquer le tournant barésien qui le dirige de plus en plus vers ce nationalisme tel qu'on le connaît, ce nationalisme qui est à la fois patriotique, parce que dans l'affaire Dreyfus, évidemment, il y a l'immixtion de l'étranger. Pour Barrès, il y a deux étrangers dans l'affaire Dreyfus. Il y a d'une part l'étranger allemand, parce qu'on le sait, c'est l'affaire Dreyfus, et Dreyfus est accusé de collaboration et de vente d'informations à l'Allemagne, et puis il y a l'étranger intérieur, d'une certaine manière, l'étranger juif, parce que Barrès est très antisémite à ce moment-là. Barrès d'ailleurs reviendra lui-même sur son antisémitisme, dans les familles spirituelles de la France. Oui, un texte de la fin de la Première Guerre mondiale. Oui, on reviendra là-dessus après. Oui, tout à fait, on reviendra là-dessus après. Mais, qui montre aussi son évolution sur la question, mais à l'époque, donc très antisémite, et compréhension du nationalisme institutionnel plutôt. On passe cette étape de quelque chose de plus organisme, de plus organique, donc d'un peu flottant, pour vraiment se tourner vers l'État. Et comment est-ce que tu définirais le nationalisme barésien à cette époque, justement ? C'est pas une question facile, parce que Barrès n'a pas non plus donné de définition ferme et nette de son nationalisme, il a toujours un peu évolué. À cette époque, du moins, je dirais, ce qui compte le plus pour Barrès, c'est l'intérêt français, la défense de l'intérêt français. La France ne peut pas être mise en danger. Et c'est pour ça qu'il est intéressant de mettre en perspective, en fait, cette citation que tu as donnée il y a quelques minutes sur le cosmopolitisme, quelque part, de Barrès et l'intérêt littéraire, et en même temps son anti-germanisme et sa défense de la nation française. C'est que, autant à l'époque, Barrès pouvait être curieux encore des lettres allemandes et de la littérature européenne, autant à partir de l'affaire Dreyfus, il va y avoir tout de même un retrait de ce cosmopolitisme, il va se retourner de plus en plus vers un nationalisme traditionnel de défense de la France. Et c'est quand même ce que je voudrais pointer aussi, très rapidement, c'est que on fait souvent de Barrès le père du nationalisme de la terre et des morts, avec une conception et une description parfois très fermée de ce nationalisme, mais je crois qu'il ne faut pas oublier que c'est un nationalisme aussi de militants qui se met en place à ce moment. La France est en danger pour Barrès. Il y a eu l'affaire Schnabelé avec le boulangisme, il y a eu l'affaire Dreyfus, quelques années plus tard il y aura Tanger, en 1905, 10 ans après Tanger, c'est la guerre. Et Barrès, quelque part, je crois, le sent, et ce n'est pas tant une fermeture par rapport aux lettres européennes et aux lettres allemandes qu'une volonté de vouloir défendre la France, parce qu'après tout, s'il n'y a plus de France comme entité politique, quel intérêt à avoir des lettres françaises ? C'est fortifier l'énergie nationale. Tout à fait. Ça contribue à lui donner une forme. Alors, en ce qui concerne l'énergie nationale, justement, après le culte du mois, c'est au tour d'une deuxième trilogie, le fameux roman de l'énergie nationale que tu viens de citer, qui commence avec Les Déracinés en 1897. Peux-tu nous parler de ces romans et de la vision du monde qu'ils recèlent ? Alors, déjà, même d'un point de vue stylistique, en quoi se distingue-t-ils de la première trilogie ? Tout à fait. Alors, stylistiquement, comme tu le dis, c'est un roman qui décale vraiment Barrès du premier Barrès. Il y a une évolution par rapport à son esthétisme, il n'est plus dans ce symbolisme un peu onirique et décadentiste. Il est moins avant-gardiste. Il est moins avant-gardiste, oui. Barrès était vraiment de l'avant-garde au début, plus même que de l'avant-garde. Il était très très avant-gardiste pour l'époque, avec vraiment beaucoup de propositions littéraires qui ont été reprises par la suite, et qui ont été aimées même de certains surréalistes, mais justement qui lui reprocheront en fait ce changement vers le second Barrès. Cette trahison. Du Barrès, quelque part, on va utiliser le Barrès du culte du mois pour critiquer le Barrès du roman de l'énergie nationale en disant « il s'est trahi », alors que principalement, donc c'est-à-dire sur le plan des idées, il y a quand même une continuité entre les deux. Et justement, donc ce roman de l'énergie nationale, au lieu des techniques du rêve, de l'onirisme, va plutôt mettre en place une technique très descriptive, plus classique en fait, du roman français, avec toutefois des particularités. On ne quitte pas non plus l'emphase et le lyrisme de Barrès tel qu'il conservera toute sa vie, mais disons, on arrive sur un roman beaucoup plus descriptif, sur un roman beaucoup plus facile quand même à la lecture, d'autant plus facile pour nous aujourd'hui qui n'avons plus l'habitude de ce lyrisme parfois tel qu'il a pu être développé par le premier Barrès. Et alors là, bon, il y a un roman qui se démarque parmi d'autres, ne fût-ce parce qu'il est le plus connu, c'est Les Déracinés. Les Déracinés, c'est l'histoire de ces 7 jeunes Lorrains, comme dit Barrès, qui, de la classe du lycée de philosophie de Nancy, aboutissent à Paris. Bon, la classe de philosophie de Nancy, c'est la fameuse classe que Barrès a lui-même suivie, avec
Auguste Burdeau quand il était jeune étudiant. Bouteiller dans le roman. Et dans le roman qui deviendra Bouteiller. D'une certaine manière, le roman de l'énergie nationale, c'est à la fois le drame de ces sept jeunes Lorrains qui sont déracinés, qui sont perdus dans la vie parisienne, perdus aussi même dans la vie spirituelle et intellectuelle de la France. Et c'est aussi le drame de Bouteiller. Ça, on ne le dit peut-être pas assez, mais Bouteiller qui, du grand maître du devoir kantien, finit en... Dans les compromissions de la vie parlementaire, et être sali par le scandale du Panama. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à Auguste Burdeau. Barrès n'a fait que traduire la vérité. Burdeau avait commencé avec le devoir kantien et termine avec la corruption du Panama. C'est quand même assez symptomatique de l'inefficacité, justement, de la doctrine kantienne. Et c'est là où le roman est assez bien ficelé. En fait, je parle d'inefficacité de la doctrine kantienne. Pourquoi ? Parce que c'est une efficacité à donner une morale, en fait, pour conduire la vie. On parle de devoir dans la doctrine de Kant, on parle de l'impératif catégorique. Agis de telle manière à ce que la maxime de ton action puisse être érigée en maxime universelle. Voilà, tout à fait. Donc, maximisation complète de la morale de l'éthique. Avec Kant, on ne peut plus mentir, il n'y a plus de secret quelque part. On doit faire en sorte que notre action puisse être répétée dans une situation identique, indépendamment du lieu, du temps ou des intentions. Avec tout le monde, en toutes circonstances. Et Barrès, en fait, dans cette trilogie, cherche à montrer que ce principe ne marche pas, que ce principe, en fait, ne répond pas à la conduite, au besoin d'avoir une doctrine pour conduire sa vie. Et justement, ces sept jeunes Lorrains, ils arrivent à Paris, que font-ils ? Ils sont pétris de kantisme et de principes kantiens, ils ne savent pas vers où aller, ils sont perdus, ils se cherchent, eux aussi baignent dans les compromissions. Il y a une histoire tragique à la fin des Déracinés où Racadeau et Moucheprin, qui sont les deux, quelque part, représentants du prolétariat étudiant dans le roman, en fait, finissent par mourir. Ils essayent de voler quelqu'un. Astiné Arrivian, je crois, qui est la maîtresse de Sturel dans le roman, il lui vole ses bijoux et puis, en fait, ils se font condamner. C'est l'échec du kantisme dans la condamnation de ces deux personnages que Barrès représente. Et tout l'enjeu, en fait, du roman Les Déracinés, ce ne sera pas tant, je crois, je pense que c'est important d'insister là-dessus, de montrer le déracinement à la fois local, le fait qu'il soit déraciné de la Lorraine, mais aussi de montrer le déracinement spirituel, philosophique de ces individus. En fait, ce que Barrès essaye de montrer, c'est quelque part la nécessité du foyer. Le foyer qui garantit tout autant la spiritualité que l'enracinement terrien. Pourquoi ? Parce que par cette garantie-là de ces deux pôles, spiritualité et enracinement terrien, l'homme grandit selon des principes qui lui correspondent. Je le disais tantôt, pour Barrès, c'est quelque chose de très important qui est, quelque part, vivre et sentir à sa manière, selon son enthousiasme, selon sa passion. Et bien là, puisqu'il a compris la nécessité de la tradition, il comprendra que s'il faut vivre et sentir à sa manière, il faut d'abord vivre et sentir selon sa tradition. Donc c'est le roman de l'énergie nationale et le roman de la tradition dans l'œuvre de Barrès. Et le personnage le plus essentiel à ce titre, celui qu'il faut suivre en fait, c'est Sturel, qui est à bien des aspects, qui représente Barrès lui-même et qui en est un peu le portrait décalqué. Et d'ailleurs à ce titre, on pourrait dire que Rumerspacher représente plutôt Maurras, plutôt le retravailleur, attiré plutôt par la raison, les systèmes philosophiques un peu plus dogmatiques que Sturel. Sturel est le personnage qui doute, en fait, et qui cherche, à travers cette trilogie, son propre foyer, son enracinement. Et c'est aussi la manière que Barrès utilisera pour représenter son réenracinement à la Lorraine. D'une certaine manière, tout ce roman, en fait, constitue une épopée de racination, de nouvel enracinement. Et à bien des aspects aussi, je trouve que ce roman contient deux éléments qui est premièrement aussi la dénonciation des problèmes sociaux en France. Donc il y a quelque chose de socialiste dans ces romans parce qu'il met quand même en œuvre ce prolétariat étudiant qui est délaissé des pouvoirs et auquel on promet tragiquement quantité de choses. Un épisode au début des Déracinés, Bouteiller dans sa classe de philosophie, il regarde ces sept jeunes Lorrains et il leur dit « toi tu seras ceci, toi tu seras cela et toi tu seras cela ». Ces jeunes hommes, après, partent à Paris avec des rêves plein la tête et se disent « grosso modo, on a tout à faire devant nous », alors qu'en fait, à bien des aspects, par leur milieu, par leurs conditions sociales, par l'endroit d'où ils viennent, ils auraient mieux fait d'être élevés selon leur milieu, selon ce qu'ils sont, que pour pouvoir bien y vivre, que pour pouvoir bien vivre même.
À ce titre, il ne faudrait pas dire que Barrès veut maintenir les individus dans leurs conditions, mais plutôt qu'une des premières conditions du développement de l'individu, c'est de commencer de là d'où l'on vient. Donc il y a une ambiguïté à ne pas faire, parce que souvent, notamment les gens de gauche vont nous dire que Barrès, à ce titre, veut maintenir les pauvres dans leur impuissance, veut maintenir les gens dans leurs conditions sociales. Ce n'est pas vrai, c'est plutôt que la condition sociale est essentielle à tout épanouissement. Donc, il n'y a jamais une cage qui est établie par la condition sociale. Cependant, il faut savoir qui l'on est pour pouvoir évoluer. C'est quelque chose qu'il reprendra à bien des aspects, mais s'il y a la race, on n'est pas condamné à sa race, mais on part de sa race biologique pour pouvoir atteindre à une race plus spirituelle et plus universelle. Donc c'est un roman aussi en fait qui met en œuvre quelque part une tentative de transcender le relativisme. Ces romans montrent le relativisme de l'époque. Ce relativisme dont on parlait déjà, qui est douloureux, qui ne permet pas à l'homme d'établir sa conduite. Et à certains aspects, on pourrait dire que Kant est un relativiste dans la mesure où il demande à l'homme d'exercer par sa raison des catégories universelles, donc c'est quelque chose de difficile à mettre en œuvre pour lui et qui amène l'homme à beaucoup de scepticisme aux yeux de Barrès. Et ce relativisme-là ne permet pas à l'homme de s'élever et ne permet pas à l'homme de s'éduquer lui-même. Et donc justement, il s'agit de voir comment, à partir d'un enracinement, on remonte petit à petit à un épanouissement social, à quelque chose de beaucoup plus de spiritualisé. Donc déraciné, oui, mais avec une volonté de dépassement du déracinement. Et donc c'est plutôt, on a la description du déracinement dans le premier tome, et puis on aura dans le second tome, notamment l'appel au soldat, avec cet épisode très précis du chapitre qui se passe dans la vallée de Moselle, la racination, où on a une redécouverte en fait du territoire lorrain par Sturel et Saint-Flin qui représente dans ce roman, on va dire l'enraciné, celui qui n'a jamais quitté son pays. Et Sturel retourne avec Saint-Flin sur sa terre et se découvre lorrain et quelque part recadre sa vie. Et je pense que le mot encadrer est très important, encadre sa vie par sa tradition, mais ne la ferme pas. Tout à fait. Et alors, restons quand même un petit moment sur ce premier tome, Les Déracinés, car il y a quand même des moments de bravoure hein, dans ce livre. Je pense à deux chapitres en particulier qui est celui consacré à Napoléon, à la tombe de Napoléon, et l'autre qui s'intitule L'Arbre de Taine, je pense. Oui, tout à fait. Est-ce que tu pourrais parler de ce passage sur Napoléon, justement, le professeur d'énergie dont parle Barrès? Deux chapitres, soit dit en passant, magnifiques, que Barrès écrit extrêmement bien, avec beaucoup d'emphase, beaucoup de lyrisme aussi, c'est très beau. Alors, Napoléon est un nom qui revient souvent sur la plume de Barrès. Il fait partie de ces professeurs d'énergie, il faut le prendre tel qu'il le décrit. C'est un professeur d'énergie, c'est celui qui a mis en branle l'âme française. Qu'importe les conséquences, l'âme française a été mise en branle par le génie napoléonien. Cependant, je pense qu'il faut se garder, et Barrès se garde, de faire une apologie trop radicale de Napoléon. Il ne s'agit pas juste de voir la mise en branle de l'énergie, il s'agit de voir aussi la direction donnée à cette énergie. Napoléon, en fait, lorsque les sept jeunes lorrains se réunissent autour de son tombeau et prêtent serment autour de sa tombe, ne sont pas guéris de leur relativisme. Il n'y a pas tout d'un coup révélation. Donc il y a l'énergie qui est recherchée, qui est trouvée autour d'une figure principale, c'est l'éducation romantique qui est représentée quelque part par Napoléon, à savoir l'éducation par héroïsme, par figure importante. Mais néanmoins, ce n'est pas suffisant. Et pourquoi ce n'est pas suffisant? Parce que Napoléon n'est pas le représentant de l'enracinement, justement. Il n'est pas celui qui a les pieds ancrés dans un territoire, dans une tradition locale. Or, pour Barrès, l'essentiel, quelque part, reste de vitaliser la France, et donc de vitaliser l'énergie française par le bas, donc par les enracinements des différentes régions, des différents individus. Donc, il ne s'agit pas uniquement de voir la mise en œuvre de l'énergie telle qu'elle a pu être faite par Napoléon, il s'agit aussi de voir que Napoléon, quelque part, ne donne pas une tradition à la France. C'est son erreur principale en fait, c'est son échec personnel. Il n'y a pas eu de tradition authentiquement bonapartiste. Bon, il y a bien eu le Second Empire, mais c'est tout. Napoléon a donné la tradition aux hommes providentiels, il est vraiment le représentant de cette éducation romantique. A-t-il cependant permis aux jeunes hommes français de guérir leur mal et d'adopter une conduite dans leur vie? Pas pour Barrès, parce que ce qu'il manque fondamentalement à l'énergie napoléonienne telle que les sept jeunes lorrains le trouvent dans le roman, c'est l'enracinement.
C'est la prise de conscience du foyer. Mmh. Il valorise Napoléon en tant qu'il met en branle l'énergie de la nation, mais il lui reproche de ne pas savoir où mener cette énergie, en fait. Oui, tout à fait. C'est quelque part l'amour que Barrès a pour Napoléon, c'est le même que celui qu'il a pour Boulanger au moment où il s'engage pour lui. C'est l'amour des grands enthousiasmes, des grandes passions. La passion est très importante pour Barrès, on l'a maintenant compris, je crois. Napoléon est un homme excessivement passionné. Il n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait s'il n'avait pas eu de passion. La passion est essentielle comme moteur de l'histoire à bien des aspects. Je crois que c'est même Hegel qui dit ça dans ses cours sur l'histoire de la philosophie. Rien de grand ne s'est fait dans l'histoire sans passion. Exactement, exactement. Et là, Barrès voit ça dans Napoléon. C'est quelque chose qu'il aime, mais c'est pas suffisant. On ne vint pas le relativisme de l'époque, on ne vint pas les défauts du kantisme, l'impossibilité au rationalisme, que le rationalisme a, pardon, de donner une conduite et une discipline de vie aux gens, uniquement par la passion pure et par la mise en branle de l'énergie. Ce qu'il faut pour ça, c'est le foyer, l'enracinement, la maison, quelque part. Barrès n'est pas très très loin à ce titre, à ce moment-là, d'Heidegger, d'une certaine manière. Heidegger qui valorise l'origine, qui, à bien des aspects, aime Hölderlin pour ça, parce qu'il le décrit comme étant le poète qui, retournant au foyer, donne naissance à cette spiritualité et redécouvre, en fait, un sens à la vie humaine. Ce qui compte pour Barrès, c'est plus uniquement à cette époque la passion, c'est le dépassement du relativisme. Et, comme je le dis encore une fois, le roman de l'énergie nationale est un roman dépassement du relativisme. Ce qui nous amène, en fait, au second chapitre dont tu parlais, L'arbre de Monsieur Taine. Alors, c'est un de mes chapitres préférés, je crois, dans cette trilogie, parce que, pour le décrire, on a Hippolyte Taine, donc qui est le grand philosophe à l'époque du 19e siècle français. Grand historien de la Révolution française. Oui, tout à fait, grand historien avec les origines de la France contemporaine, entre autres, qui est celui qui met en œuvre justement une discipline très scientifique, qui met en œuvre la raison pour décrire ces phénomènes, qui est celui qui, avec Renan, participe du culte de la raison. Et en même temps, Taine a une spécificité par rapport à Renan, c'est qu'il a toujours tendance à décrire la société comme étant un arbre, comme étant quelque chose qui a des racines, des branches et des feuilles. Des fruits plutôt que des feuilles. C'est-à-dire quelque chose que l'on recueille. Et c'est ce qui se passe dans ce chapitre. Il vient voir Rummer Spatscher, qui est le philosophe, on va dire, de la bande. Et Rummer Spatscher s'est fait connaître parce qu'il a écrit un portrait, de Taine. Et Taine vient le voir pour lui demander, mais tiens, mais quelles sont les opinions de la jeune génération? Quelles sont les opinions philosophiques? Ils partent tous les deux promener. Rummer Spatscher essaie de lui expliquer. Puis Taine arrive près d'un arbre qui représente quelque part la société, les racines, le tronc et les fruits étant peut-être le savoir et la culture que les jeunes individus recueillent. Et il décrit ça à Rummer Spatscher, ça le marque beaucoup. Ça le marque d'autant plus que Rummer Spatscher expliquait à Monsieur Taine que quelque part la grande affaire de sa génération avait été ce passage de l'absolu au relatif dont on a déjà parlé, cette tentative de vouloir vivre sans tradition spirituelle, catholique, universelle, sans absolu non rationnel, c'est-à-dire un absolu qui n'est pas humain, quelque chose qui est de l'ordre du non produit par l'être humain. Or justement, le rationalisme parfois a tendance à renouer avec l'universalisme. Je parlais de Kant à l'instant, mais ça reste quelque chose de produit par l'humain, donc de relatif à l'homme, en fait, d'insuffisant à bien des aspects. Et Rummer Spatscher dit à Hippolyte Taine, et en fait l'affaire de ma génération maintenant, c'est de se rendre compte qu'on vit difficilement de ce manque d'absolu dans la société. Et puis il y a cette description justement de l'arbre que Taine lui donne, qui révèle en fait à Rummer Spatscher l'importance de l'enracinement, de la doctrine sociale. Et je crois que c'est aussi le moment où Barrès se rend compte de la nécessité de mettre une doctrine justement à cet organisme national qu'il voit. Il y a cette pluralité de régions, de vie locale en France, il faut lui mettre une doctrine, il faut lui mettre un mot pour pouvoir la cadrer. Certes, la nation, le nous plutôt, soin de son état, néanmoins il y a une doctrine sociale à avoir. Et donc la tradition, plus qu'un simple fait de la société, plus qu'un simple fait social nécessaire à l'individu, devient aussi une méthode d'excitation d'énergie, une méthode qui permet à l'homme de conduire sa vie, et une méthode d'analyse politique pour Barrès. Donc on a la tradition qui dépasse le simple cadre du mot. Souvent on parle beaucoup de tradition quand on est droite, on ne sait jamais trop quoi mettre dans le terme. En fait,
je dirais ça, la tradition est surtout une méthode d'analyse. On voit ce qui correspond à notre tradition, ce qui n'y correspond pas, on peut exclure, ça devient un terme tout à la fois discriminatoire et excluant qu'un terme philosophique, et en même temps, elle garantit aux individus une conduite, une doctrine pour leur conduite dans la vie, parce qu'on sait à quoi se rattacher, d'autant plus à une époque, nous, plus encore que l'époque de Barès, parce que nous, nous vivons sans religion, maintenant c'est compliqué de se rattacher au christianisme, d'autant plus avec le pape que l'on a, et la tradition... Lorsqu'on s'y rattache à ces grandes figures de notre tradition, on a un moyen d'accès de nouveau à des principes pour la vie. On sait comment vivre et on peut transcender notre nihilisme, ce relativisme moral par la tradition. Est-ce que c'est cela qui pousse Barès à préciser sa doctrine en publiant les scènes et doctrines du nationalisme après les déracinés? Oui. Alors, pour la petite anecdote, je crois qu'on comprend mieux la pensée politique de Barès en lisant le roman de l'énergie nationale qu'en lisant Scène et doctrine de nationalisme. Il y a des articles intéressants dedans, mais pour une grande part, ce sont des articles qu'il reprend. Et ça a moins bien vieilli, je sais pas. Ça a moins bien vieilli à certains aspects. Mais il y a deux choses importantes dans Scène et doctrine du nationalisme. Il y a d'une part cette volonté de créer une doctrine nationale. Barès a une belle phrase dans Scène et doctrine du nationalisme qui dit « S'agiter n'est pas agir ». Et justement, quelle est la différence entre l'action chez Barès et quelque part l'agitation? L'agitation, ce serait l'énergie sans tradition. Et l'action, c'est l'énergie encadrée par la tradition, c'est-à-dire on sait vers où l'on va. Je vais faire un lien avec le Barès du culte du moi. Dans le culte du moi, je crois que c'est tout à la fin, dans la partie premier tome sous l'œil des barbares, dans la partie de l'oraison, Barès dira « Mais vers quel avenir ?» Et la tradition, justement, donne un avenir à l'homme. Donc on voit un lien qu'on peut faire entre cette passion qui était au début désencadrée dans le culte du moi, à cette passion encadrée, justement, du roman de l'énergie nationale, où à la fois la doctrine, l'analyse de la tradition et de l'enracinement dotent l'individu d'une discipline de vie. Et d'une certaine manière, enfin, Barès trouve un maître. Ce maître qu'il appelait tant dans le culte du moi est trouvé dans le roman de l'énergie nationale, il est confirmé dans les scènes et doctrines du nationalisme. Il y a un très beau portrait aussi dans Scènes et doctrines du nationalisme de l'intellectuel, un portrait tracé au vitriol, où Barès justement critique énormément l'intellectuel. Il y a presque un parallèle d'ailleurs à faire avec ce que Barès dit là, et son portrait, et le portrait de l'intellectuel qui est fait dans Les méfaits des intellectuels par Edouard Berthe. Disciple de Georges Sorel. Tout à fait, tout à fait. Il y aurait d'ailleurs beaucoup de choses à dire, en fait, entre les liens entre Sorel et Barès. Il y a une rencontre un peu manquée entre les deux. Ils se sont rencontrés une fois, mais ça n'a pas donné lieu à grand-chose. Oui, je crois qu'ils ont parlé de littérature. Je pense que chacun d'entre eux, si je me souviens bien, était assez frustré, car Barès parlait de littérature et Sorel voulait parler d'autre chose, ou vice-versa. Ou l'inverse, oui. Oui. Quoi qu'il en soit, il y a cette critique de l'intellectuel qui est présente. C'est de... Quelque part... C'est plus que la critique de l'intellectuel, je crois que c'est la critique du clerc. Autant il y avait le clerc médiéval qui était le moyen et le médium de transition et de transpiration du divin dans le monde, parce que c'est lui celui qui traduisait la pensée, les saintes écritures et la spiritualité. Autant le clerc comme intellectuel, en fait, n'est plus que le médium de la bourgeoisie et de l'affairisme. Et en fait, le clerc, l'intellectuel au XIXe siècle, tel que Zola, entre autres pour Barès, c'est celui qui représente le bourgeois à l'état pur. C'est celui qui n'a plus rien à proposer comme idéal de mythification, idéal spirituel ou de mythe pour la vie de l'individu. Il n'y a plus rien à faire, en fait, avec ces gens-là. Ils ne sont pas suffisants. Oui, tout à fait. Et alors, si on reprend l'examen de ces scènes et doctrines du nationalisme, ou d'autres textes, d'ailleurs, peut-être plus directement politiques de Barès, tu mets en évidence deux éléments essentiels dans sa pensée, dans ton essai, à savoir le fédéralisme, d'une part, et le socialisme national. Mmh. Tu as déjà un peu parlé de son socialisme, mais c'est peut-être l'occasion de boucler la boucle. Oui, alors les deux sont vraiment très très liés, fédéralisme et socialisme national. Barès pourra dire dans des articles qu'il écrira déjà en 1894, dans ce fameux épisode de La Cocarde, c'est peut-être bien de commencer la réponse par là. En 1894, ça nous ramène un petit peu vers sa jeunesse, Barès contribue à une aventure journalistique, celle de La Cocarde, qu'on est avant l'affaire Dreyfus, juste après Boulanger, et la rédaction de La Cocarde, c'est une de ces aventures incroyables que la droite française a pu connaître, comme les cercles Proudhon, où on a des gens de gauche, de droite qui se mêlent les uns aux autres, on a tant des socialistes que des radicaux qui s'y mêlent, et c'est le moment pour Barès, en fait, de réfléchir
fondamentalement sa doctrine sociale. Sa doctrine sociale qui vient associer au socialisme. Donc Barrès avait fait sa campagne boulangiste sur l'émancipation des ouvriers français contre les ouvriers étrangers. Il y a de nouveau le barbare qui revient, mais sous forme de l'étranger, de l'allemand en l'occurrence. Et son socialisme qui est une volonté d'émancipation totale de l'individu, de ses chaînes économiques en fait. Quelque part, à ce titre, et c'est ce que j'avais évoqué quand je parlais de l'ennemi des lois, ce n'est pas tant que l'individu doit s'émanciper de sa condition sociale et en déchirer ses chaînes, c'est plutôt l'individu doit s'émanciper de l'économisme. C'est ça qui compte avec Barrès, je crois. La tradition doit surpasser l'économisme qui est mis en place par le monde bourgeois. Autant on a Marx qui continue à nous parler d'économie et d'émancipation économique, et en fait l'ouvrier s'émancipe de la tutelle de l'employeur, mais reste dans la sphère économique, autant chez Barrès, c'est comme si le traditionnalisme venait donner à l'économie sa place et lui disait « mais reste là, tu n'es pas si important pour la vie des individus ». Ça, c'est plutôt mis en œuvre, je crois, dans la Coquin, c'est ce qu'on peut en garder à travers certains articles qu'il en écrit, et à ce titre, il valorisera beaucoup la notion d'idéal. Barrès aura certaines critiques vis-à-vis des réformistes. Il dira « je comprends tout à fait qu'on puisse commencer avec les petites réformes sociales, mais il ne faut jamais oublier l'idéal ». En fait, à ses yeux, tolérer un petit peu l'opinion réformiste, on va dire l'opinion tempérée des socialistes, parce que c'était parfois utile pour ménager quand même le jeu parlementaire et pour faire avancer les idées, mais en soi, il garde quand même cette profonde attitude des révoltés qu'il a, et d'idéaliste en fait. Il y aurait ses relations avec Jean Jaurès à exposer. Barrès, qui a pu s'opposer à Jean Jaurès pendant l'affaire Dreyfus, irait quand même à son enterrement en 1914, et lui rendra un hommage assez émouvant qui dépasse la simple inimitié politique, où il en fait rend hommage aux socialistes, à l'engagé social. Et je crois que c'est ce qu'il faudrait dire de Barrès en fait. C'est socialisme pour Barrès, c'est presque synonyme de qualité de vie au sens plus spirituel du terme, c'est-à-dire c'est à la fois quelque chose qui voudrait dire enracinement, c'est à la fois quelque chose qui voudrait dire fédéralisme, c'est à la fois quelque chose qui permettrait l'expression de l'individu. Alors on se demande comment tout ça est possible, parce que là il y a plein d'antinomies qui sont liées les unes envers les autres, il y a individu et collectivité, il y a émancipation et tradition, comment faire avec ça? Alors, il y a un texte assez intéressant que Barrès écrit, qui s'appelle « De Hegel aux cantines du Nord », alors le titre... Voilà, peut prêter à rire même parfois. C'est une petite brochure qu'il écrit et qu'il met en forme en 1904. Et Barrès, en fait, va se référer, pour répondre à toutes ces antinomies, à la figure de Proudhon. Il va dire quelque chose comme... en fait, le socialisme français tient à Hegel pour sa dialectique, à Rousseau pour sa sensibilité. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Hegel pour cette capacité à totaliser par la synthèse, justement, et Rousseau pour... plutôt le côté individualiste, le côté protéger le sentiment individuel. Bon, c'est pas le Rousseau politique qui l'intéresse, Barrès sera très critique du Rousseau politique. Au contraire, via Hegel, ce qu'il retrouve, c'est la tradition proudhonienne. Et dans Proudhon, il voit la capacité pour la France à se vitaliser par le bas, en fait, en faisant à la fois la synthèse entre l'État, les régions, c'est le fédéralisme proudhonien tel que Maurras le reprend, tel que Proudhon lui-même le développe, Barrès n'est pas très original à ce niveau-là, mais il voit aussi la capacité à l'individu de sortir du carcan économique et du carcan bourgeois en réalisant par le socialisme proudhonien, quelque part, un idéal de vie. Et Barrès n'est jamais très clair sur cette question de socialisme, parce qu'il ne donne pas de traité fondamentalement accompli. Cependant, ce qu'on peut déduire, c'est que le socialisme barrésien est fédératif, et parce qu'il est fédératif, il est aussi national. Donc, c'est ce qu'il veut dire par l'expression socialisme national, c'est un socialisme, c'est la nation qui est la vraie défense du socialisme à l'échelle de l'État, et en même temps, cette nation n'est pas jacobine, elle est nourrie par les entités de vie locale. Et par en fait la valorisation de la vie locale, une volonté chez Barrès de aussi harmoniser la lutte entre les classes. Donc Barrès reconnaît la lutte entre les classes. Il y a d'ailleurs à bien des aspects proches parfois des syndicalistes révolutionnaires. Je crois qu'il y a une citation, il dira quelque chose comme « Le menu peuple contre le peuple gras, ordre et progrès ». C'est une citation de Barrès, ce qui rappelle par ordre et progrès un petit peu Auguste Comte. Oui. Auguste Comte,
Georges Sorel aussi, et cette tradition-là. Cependant, il ne mettra jamais non plus en œuvre une pensée de la lutte des classes, il n'ira jamais très très loin là-dessus, mais ce qu'on peut en déduire, c'est ce qu'il cherche, en fait, c'est l'harmonie entre le patronat et l'ouvrier français. Un petit peu comme Maurras disait dans « Mes idées politiques », en fait, tous les deux ont le même objectif, c'est le travail. C'est presque similaire chez Barrès. L'ouvrier français doit être défendu, il doit être défendu contre l'étranger parce qu'il souffre, et en même temps, il doit être défendu contre le patronat, parce que le patronat a cette capacité à aller chercher l'ouvrier étranger pour jouer de la concurrence, en fait. Et donc, à ce titre, le nationalisme barrésien protège aussi l'ouvrier français, parce qu'il défend, il se défend de ce grand capitalisme international qu'il dénonce. En fait, Barrès préfigure à ce titre bien des aspects de la critique socialiste qui arrivera après lui. Il y a ce grand capitalisme national qui utilise toujours la main-d'œuvre étrangère pour pouvoir jouer la concurrence contre l'ouvrier français. Et en fait, le nationalisme met un cadre à l'économie. Et la politique revient par-dessus l'économie et émancipe. C'est à ce titre-là qu'il y a une émancipation. La vie individuelle des ouvriers, il y a un retour du politique à la vie collective. Et une petite brochure que j'ai lue assez récemment, qui est une étude pour la défense des ouvriers français, où Barrès écrit très très bien ça. Il montre et il sent avec beaucoup d'acuité que le libéralisme économique est fondamentalement associé à la mondialisation, et que si l'on a envie de défendre l'ouvrier, la classe populaire, il faut forcément empêcher une forme de mondialisation, il faut forcément mettre un cadre à l'économie. C'est le trait peut-être le plus prégnant du capitalisme, c'est d'être international. Et Barrès dit, peut y avoir du travail, il peut y avoir une forme de capitalisation du travail, mais elle doit être nationale et encadrée par l'État. Et en même temps qu'il dit ça, il va dire, chaque travail diffère en fonction des régions, donc chaque loi sociale doit être appropriée en fonction de la région où travaille l'ouvrier, où se trouve l'entreprise, et donc il faut forcément que ce socialisme soit fédéral. Très bien, tout ça est vraiment passionnant. Mais alors, le temps passe, et donc j'aimerais aborder d'autres points avec toi avant d'arrêter cet entretien. Là, il est vraiment question de la doctrine politique de Barrès, hein, si on peut employer ce terme, même si Barrès n'est pas forcément un esprit doctrinaire. Mais à la même époque, il y a un autre grand doctrinaire français, c'est Charles Maurras. On a cité son nom plusieurs fois. Maurras, qui a été l'ami de Maurice Barrès, un ami proche. On cite souvent leurs deux noms conjointement, on dit souvent Barrès et Maurras pour parler du nationalisme français, ce qui est justifié dans une large mesure, puisqu'ils ont partagé des combats communs, notamment le combat contre le parlementarisme. Pourtant, les deux hommes sont quand même assez différents, à la fois par le contenu de leur doctrine, ou de leur vision politique, et par leur tempérament. Est-ce que tu pourrais parler un peu de leur rencontre, de leur amitié, en quelques mots, et puis après on parlera un peu de cette différence de tempérament, justement? Oui. La rencontre entre Barrès et Maurras a bien des aspects fascinants, parce que à travers les deux tempéraments qui se parlent l'un à l'autre, qui se parleront longtemps jusqu'à la fin de la vie de Barrès, il y a aussi, je crois, deux possibilités de la droite. Il faudrait rajouter la troisième, telle que... Georges Sorel, comme a dit Armin Moller. Tout à fait. Mais on voit vraiment, à travers cette différence de tempérament, deux perspectives pour la droite française. Donc, ce serait intéressant, justement, de les caractériser. Autant parler donc de la rencontre, de cette manière presque anecdotique qui amène Barrès et Maurras à discuter l'un à l'autre. Bon, je racontais de la petite histoire, mais c'est Maurras qui raconte ça dans Mes Maîtres. Il devait aller à la librairie, je crois, Alphonse Lemaire à Paris, pour aller chercher un manuscrit, pour en déposer un, je ne sais plus. Et sur la table, il voit des petites plaquettes sous l'œil des barbares. Alors, il avait vaguement entendu parler, parce que Maurras était critique littéraire de Barrès, mais pas trop sûr de savoir qui c'était, sans plus. Et il prend une de ces plaquettes, puis il se met à pleuvoir, il est dans les galeries où il y a tous ces bouquinistes à Paris, et parce qu'il n'a rien d'autre à faire le temps que la pluie passe, il lit Maurice Barrès sous l'arcade, et en fait il lit le livre entièrement, juste là. Il est dévoré par cette passion, et en fait, il le dit très très bien, il a l'impression de voir ses propres sentiments, ses propres doutes dont j'ai beaucoup parlé, cette propre insatisfaction par rapport à la vie de la Troisième République qui est là, démontrée et exposée sous ses yeux. Et Maurras écrira à Barrès pour lui demander un rendez-vous, pour lui demander d'être reçu. Barrès est de 6 ans l'aîné, je crois, de Maurras, parce que Maurras est né en 68. C'est ça, oui. Et Barrès naît en 62, donc... Et Maurras verra toujours Barrès comme un aîné. Oui, même si peut-être on pourrait dire que l'aîné intellectuel des deux était Maurras,
Ça, c'est la façon dont Barrès le ressentira. Oui, 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 parce que Barrès se sentira toujours inférieur intellectuellement à Maurras, notamment sur le plan de la dialectique. Il y a des anecdotes amusantes à ce sujet. Et donc, Maurras écrit à Barrès pour lui demander une entrevue. Il toque à la porte de Barrès et il voit un type qui s'amène, un espèce de majordome famélique. Enfin, il ne sait pas trop à qui il a affaire. Il a l'impression d'avoir un jeune homme de 16 ans. Et il demande de sa petite voix fluette de sourd à parler à M. Maurice Barrès. Et cette personne lui répond « C'est moi ». Et donc, Maurras est très surpris. Il ne s'attendait pas du tout à une personne de cet acabit-là. Et je crois qu'il dit « Il n'y a que le ton de la voix grave et posée qui me permettait de dire que c'était bien lui avec, tant qui parlait avec tant d'intelligence et de capacité. » Et alors, à partir de cette date, 1889, je crois, jusqu'en 1923, date de la mort de Barrès, ils s'écriront quasiment chaque semaine. Ce sera une correspondance suivie avec beaucoup d'amitié, mais comme tu le dis aussi, beaucoup de désaccords. Le premier étant peut-être le désaccord sur Versailles et sur la monarchie française. Donc, on le sait, Maurras, à partir de 1900, tourne à la monarchie. Et, la fameuse enquête sur la monarchie. La fameuse enquête sur la monarchie. Et comme chacun sait, l'enquête sur la monarchie de Maurras est en fait plutôt un questionnaire. Il pose des questions aux personnalités de l'époque, aux personnalités nationalistes, ou pas même, je crois d'ailleurs. Des grands écrivains. Et ces personnes donnent une réponse sur la monarchie, sur la nécessité de la monarchie en France. Et Maurras y répond. Et en tire une synthèse qui est l'enquête sur la monarchie, où il déduit la nécessité de la monarchie pour l'État français. Maurras avait voulu déduire la nécessité de la monarchie comme on déduit un théorème mathématique. Tout à fait. Barrès, évidemment, n'adhère pas à la monarchie. Il lui fera une réponse plutôt négative. Alors, à ce titre, c'est pas directement ce qu'il dit à Maurras, mais c'est ce qu'il dit à Georges Valois, qui est à l'époque encore collaborateur de Maurras. Il n'y a pas eu encore la division entre les deux. Et en une phrase, je crois que ça reflètera bien la position de Barrès sur la monarchie française, il dira qu'il préfère beaucoup plus le sentiment populaire des premiers rois de France, des rois médiévaux, plutôt que Versailles, parce qu'à ses yeux, Versailles, je cite, « pue l'idéalisme ». C'est presque une insulte en fait à Maurras, mais qui montre quand même deux choses, qui montre à la fois la différence de réception que les deux ont eu par rapport à la Révolution, et qui montre aussi l'intérêt pour Barrès, quelque chose de plus sentimental, de plus populaire, qui montre aussi l'ambiguïté qu'a Maurras, parce que Maurras est celui qui parlera beaucoup de nationalisme intégral, mais fédéral aussi. Or, il valorise constamment Versailles, les rois de France. Or, pour Barrès, Versailles, les rois de France, prépare en fait la Révolution française, notamment Louis XIV. À partir de Louis XIV, c'est la centralisation, tu en avais bien parlé dans ta vidéo sur Tocqueville. En fait, le jacobinisme entérine ce que Louis XIV avait commencé. Barrès dira dans cette lettre justement à Valois, je suis du côté de Saint-Simon contre Louis XIV. Parce que au final, aujourd'hui, on voit les effets qu'a eu le jacobinisme en France, mais ce jacobinisme a la tradition monarchique derrière lui, donc quelle différence faire? Et puis sur la Révolution en tant que telle, Barrès en fait a une position qui est beaucoup plus quelque part accueillante envers la Révolution. Il va la critiquer, comme je dis, parce qu'il va critiquer la Révolution comme étant devenue petit à petit non plus quelque chose de révolutionnaire mais de conservateur. Le mot conservateur à ce titre est négatif sous la plume de Barrès. Dans le sens de scléroser, en fait. Dans le sens de scléroser, c'est cette caste parlementaire qui aura de cesse d'attaquer et de critiquer. Au final, la Révolution, un beau mythe d'émancipation sociale aboutit au régime le plus matérialiste qui soit, la Troisième République, c'est la bourgeoisie qui triomphe, c'est dégueulasse pour Barrès. Mais en même temps, la Révolution a eu lieu et il ne peut pas rompre dans la tradition française avec lui, parce qu'il y a eu cette tradition, il y a eu cet idéal, il y a eu cette tentative de réaliser quelque chose, de rébellion aussi contre cet ordre monarchique. Tout à fait. Et en fait, même pour Barrès, il n'y a plus de force monarchique en France. Oui, il y a encore une petite fidélité par-ci par-là, mais il n'y a plus de force autour de laquelle faire l'union, en fait, autour de laquelle le sentiment peut prendre corps. Tout à fait. Et là, on touche peut-être au point de désaccord maximal entre les deux, parce que Barrès dira toujours à Maurras que sur le plan de la sensibilité, il n'y a plus de sensibilité suffisamment monarchique en France pour fédérer tous les partis. Ce n'est plus qu'un parti parmi d'autres. Donc en fait, c'est un parti. Ce qui peut-être pourrait faire dire qu'au final, dû au fait
la monarchie n'est plus universelle et plus partagée par l'ensemble de la population. Elle joue le rôle de la république parlementaire parce qu'elle est un parti parmi d'autres, elle est un parti d'opinion parmi d'autres. Et Maurras dira toujours à Barrès, en faisant des grandes démonstrations, que la monarchie est essentielle, que sans la monarchie, il n'y a pas de nationalisme, et que la monarchie permet de garantir ce nationalisme intégral, l'intégrité de la France, la raison d'État, etc., etc. Et Barrès dira toujours à Maurras, si j'étais bien meilleur dialecticien que vous, je pourrais vous répondre, mais comme je ne le suis pas, je ne sais pas aller plus loin, ça énervera énormément Maurras. Oui, ça avait toujours le don de l'irriter, qui a une forme de relativisme dans le raisonnement logique. Et d'ailleurs, c'est ça qui oppose le plus Barrès et Maurras, je trouve, c'est ce tempérament. L'ambition de Maurras, c'est de prouver logiquement la nécessité de la monarchie, d'où le terme de nationalisme intégral, en fait. Mm-hmm. C'est le nationalisme poussé jusqu'à ses dernières conséquences aboutit forcément à la monarchie. C'est-à-dire, si vous voulez être monarchiste conséquent, donc défendre votre pays, vous devez être monarchiste. C'est ça que dit Maurras à Barrès. Et Barrès, en fait, lui répond... Eh bien, peut-être que oui, peut-être que sur le papier vous avez raison, mais dans les faits, il n'y a plus de force monarchique. Oui, donc il n'y a pas de sens à être monarchiste. Oui. C'est la différence entre la force de la logique et du côté de Maurras, c'est ce que Barrès lui concédera en quelque sorte, mais il n'a pas les forces du sentiment. Tout à fait. C'est-à-dire, je voudrais juste citer cette réponse que Barrès fait à Maurras dans l'enquête sur la monarchie, qui est assez révélatrice. Barrès répond à Maurras ceci. Je comprends bien qu'une intelligence jugeant in abstracto adopte le système monarchique qui a constitué le territoire français et que justifie encore tout près de nous les Bonald, les Balzac, les Le Play, le Renan d'un beau livre, les Bourget, etc. De telles adhésions sont d'un grand poids dans le cabinet du théoricien, mais dans l'ordre des faits, pour que la monarchie vaille, il faudrait qu'il se trouvât en France une famille ralliant sur son nom la grande majorité des électeurs. Or voilà qui n'existe pas. Là, tu conclus assez bien la relation que les deux entretiennent par rapport à la monarchie. Tu l'évoquais aussi, je crois, plus profondément, c'est ce rapport à la raison et à la sensibilité qui marque les deux personnalités. Pour Barrès, vraiment, je le formulerai ainsi, la politique est sointée par le peuple, c'est quelque chose de beaucoup plus organique, de populiste en fait, mais pas au sens, connu et actuel du terme, mais plutôt au sens où le « nous » social sointe son organisation politique, alors que pour Maurras, c'est quelque chose de démontrer. Il faut la monarchie, même si on n'a plus de monarchistes en France, parce qu'en fait, ils seront mieux sous la monarchie que sans la monarchie. C'est un rapport à la raison, donc, qui est différent, et ça met en lumière, en fait, par l'anecdote en fait, de leur attachement à la Grèce, vraiment la distinction entre les personnalités. On a un Barrès, quand il va en Grèce, il écrit dans Le Voyage de Sparte quelque chose comme qu'il se reconnaît bien que dans l'obscurité, que dans les choses qui ne sont pas assez claires, et pour lui, la Grèce, c'est trop clair, et il préfère sa Lorraine. Il est déçu de son voyage en Grèce. Tout à fait. Et Maurras, c'est l'homme de la clarté, dans les chemins du paradis. Il y a cette préface absolument divinement bien écrite, hein, je le reconnais, mais où Maurras fait l'apologie de la clarté, la nécessité de la raison, la poussée. Autrement, ça se marque encore autrement, cette distinction des caractères, c'est dans leur attachement. Maurras aimait bien Descartes, ce qui est paradoxal pour la droite française. Barrès aimait bien Pascal. Barrès aime Pascal parce qu'il y a l'angoisse pascalienne, parce qu'il y a le sentiment. Pascal, c'est à la fois l'homme qui a cherché par sa raison la vérité chrétienne, mais il l'a surtout cherché par l'amour du cœur, par la foi. Or, Maurras, comme Barrès, en fait, déduit son régime politique et sa conduite dans la vie par la raison. Et ça se marque aussi sur le plan de la réception du romantisme. Maurras est très critique envers le romantisme et a tendance à lui reprocher tout. C'est le cas de le dire. Parce que de manière un peu excessive. Le romantisme, c'est vraiment l'entrée de la décadence, c'est la fin de la politique. C'est l'individualisme. C'est l'individualisme. C'est, par le romantisme, on entre dans la décadence politique, c'est la fin de la monarchie. Tout. C'est les trois R de Maurras, hein, oui. Réforme, révolution, romantisme. Tout à fait. Continuité entre les trois. Pour Maurras, c'est absurde de faire une généalogie, comme le faisait Taine, entre le classicisme et le rationalisme français et la Révolution française. Tout à fait. Pour lui, c'est la Révolution dite française, alors que Barrès n'est pas du tout dans la même perspective. Tout à fait. Barrès, au contraire, sur la question de la littérature et du romantisme, est beaucoup plus nuancé. Il le dépasse à bien des aspects, mais il en est l'héritier. Il ne va pas le critiquer à outrance comme le fera Maurras.
Mais paradoxalement, c'est peut-être ce qui donnera à Maurras une plus grande influence politique. Oui. C'est-à-dire que c'est un esprit plus dogmatique, on peut le dire franchement. Barrès a énormément douté toute sa vie jusqu'à la fin, alors que Maurras a connu des évolutions, certes, mais on dirait que sa pensée est quand même toute d'un bloc. Oui, entre les premiers textes politiques et la fin, on n'a pas l'impression qu'il est énormément varié. Et surtout, dernière chose, c'est que Barrès a souvent été un moment de transition chez beaucoup de gens, en fait. D'accord. Ce qui ferait dire à Henri Massy que Barrès flotte beaucoup trop et qu'on commence par Barrès, mais on finit par Maurras. Quelque part, c'est pas faux, dans la mesure où Barrès, comme je le dis, il ne donne pas vraiment une définition pure de son nationalisme, il ne donne pas une définition de son socialisme, il manque ce côté doctrinaire. Mais en même temps, je crois que c'est ce qui fait... En tout cas, c'est ce qui fait mon attachement, et c'est ce qui fait l'attachement, je pense, de beaucoup de gens à Barrès. Barrès s'est mis en jeu dans sa pensée, et est un homme qui a beaucoup douté, qui a beaucoup reconduit ses écrits, qui a douté jusqu'au bout. On en reparlera quand on parlera de la colline inspirée. Sur la religion, il a énormément douté. Et Maurras n'a jamais douté. Maurras a eu raison du début à la fin, du moins à ses yeux. Et il est devenu fou à force d'avoir toujours raison, disait De Gaulle. Oui, tout à fait. Et à bien des aspects, Maurras a été très attirant pour la jeunesse, pour cette raison-là. Et puis, il y a une différence aussi. Maurras a toujours voulu tenir une école. Il a eu l'école romane avec Moréas, puis il aura l'Action française. Maurras a des disciples qu'il essaye de conduire. Maurras n'a jamais eu de disciples et s'est toujours refusé. Il ne voulait pas avoir de disciples. Tout à fait. Il s'en est vraiment refusé. Il n'aimait pas ça. Je crois que là, d'un côté, en fait, pour peut-être le dire et pour revenir sur ce qu'on disait, avec Maurras, on a vraiment la possibilité plutôt institutionnelle, jeune conservatrice de la droite française, quelque part. Et avec Barrès, on a quelque chose de beaucoup plus... je vais dire volkisch pour parler... Si on prend les catégories allemandes, oui, tout à fait. Voilà, pour parler comme Armin Möller avec les catégories allemandes, on a quelque chose de beaucoup plus organique, d'amener, certes, de manière beaucoup plus floue, mais aussi avec une liberté qui permet de faire justement ces dialectiques multiples entre l'individu et la société. Maurras pense vraiment en collectiviste, en politique dès le début. Barrès pense en individualiste et aboutit au politique. Maurras commence avec la fable du petit poussin dans Mes idées politiques, où il prouve en fait la nécessité de la famille et de la structure politique, comme presque c'est du Aristote mais reconduit. Chez Barrès, il y a une hésitation en permanence. Il aurait pu être un anarchiste radical. Mais il ne l'est pas devenu parce qu'il a compris aussi la nécessité de la tradition. Ce qui fait que son système a une souplesse supplémentaire qui tient à ce flottement. Et je crois aussi qu'il ne faut pas négliger ce côté fragmentaire qu'on peut trouver dans la pensée de Barrès. Je pense que, justement, quand on parle d'éthique nouvelle, on parle de quelque chose qui n'est pas encore formulé. Barrès est le premier à formuler le nationalisme, et donc il ne peut pas non plus aller plus loin que sa propre époque. Et donc il parle par fragments parce qu'il construit quelque chose qui doit encore aboutir. Et notamment cette recherche de la spiritualité, c'est difficile à mener jusqu'au bout en d'une seule œuvre monolithique et dogmatique. Maurras sera à la défense du catholicisme français, mais pour des raisons politiques, Barrès doutera spirituellement sur la question du catholicisme. Maurras aussi, bien sûr, mais Barrès beaucoup plus, notamment avec la colline inspirée, ce fameux dialogue final. Et cette recherche de la spiritualité barrésienne est, quelque part, je le dis avec mes propres mots, et parce que c'est plus personnel, mais me touche beaucoup plus personnellement que ne peut me le toucher de la démonstration théorique de Maurras. Tout à fait. Ce sera d'ailleurs, pour clore cette petite partie sur Maurras et Barrès, ce sera toujours le grand regret de Maurras de n'avoir jamais su convaincre son ami. Oui, tout à fait. Et puis, il faut quand même le dire, hein, en guise de conclusion, il y a quand même une forte amitié entre ces deux hommes. Ils ont été des compagnons dans l'aventure politique française pendant ces 40 ans, quand ils se sont fréquentés, de fréquentation ininterrompue presque. Même s'ils ne se voyaient pas beaucoup, ils s'écrivaient très fréquemment. Et à la mort de Barrès, c'est une vraie tragédie pour Maurras, parce que Barrès commençait à esquisser une politique frontalière entre l'Allemagne et la France, essayait de penser à un équilibre, il avait plein de choses avec sur le génie du Rhin. Ouais. Avec le génie du Rhin, c'est ça, plein de choses sur sa planche de travail. Tout d'un coup, il y a un vide béant du père du nationalisme et de celui qui analysait si bien les situations aux yeux de Maurras. Je crois que Maurras aura une phrase après pour clore de nombreux de ses articles postérieure à la mort de Barrès. Ah, si Barrès avait été là. Je crois que c'est significatif aussi du rôle qu'a joué Barrès dans la vie de Maurras. C'est celui qui l'a amené au nationalisme, et c'est celui dont il a beaucoup manqué, peut-être pour la suite. Alors, avant d'arriver au dernier grand livre de Barrès, disons un mot d'un autre événement majeur, qui est évidemment la Grande Guerre, qui a consacré Barrès comme une des figures
du nationalisme et surtout de la revanche contre l'Allemagne. Le canard enchaîné à l'époque le qualifiera même de chef de la tribu des bourreurs de crâne, tout à fait. Qui est assez amusant en raison de ses articles quotidiens. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler des rapports que Barrès entretenait avec l'Allemagne à cette époque, et aussi surtout de sa dernière grande trilogie, Les Bastions de l'Est, qui a été écrit avant la Première Guerre mondiale, mais qui faisait déjà état d'une certaine hostilité envers le voisin germanique. Tout à fait. Alors, pour faire très rapidement et pour attacher ça à un point biographique, à partir de la mort de sa mère, Barrès refait vraiment un retour à l'enracinement lorrain, de plus en plus fort. Ça correspond aussi à son époque, à sa deuxième élection comme député en 1906, son époque aussi, à son élection également à l'Académie française. Donc Barrès est de plus en plus installé dans la vie politique française. Il est à la fois député, auteur, ses œuvres sont republiées, ses œuvres de jeunesse, oui. Nouvelle génération d'écrivains. À partir de Colette Baudoche en particulier. Colette Baudoche va être un immense succès. Ah oui, c'est incroyable. Je crois qu'il tire à plus de 100 000 exemplaires. Oui, on dépasse les 100 000 avec Baudoche. Oui, c'est ça. Et il traduit un peu partout. En Europe, enfin, il aura un sacré retentissement, et donc Barrès là, est vraiment un pivot central de la politique française. Il est de plus en plus donc, attaché à la Lorraine, il est de plus en plus enraciné. On a déjà passé l'époque de la conférence de la Terre et des Morts qu'il donne à la Ligue de la Patrie française à l'époque, et en fait, ça correspond aussi avec une remontée, une réanalyse de ses débuts. Donc, dans les amitiés françaises, en fait, Barrès rompt un petit peu avec son germanisme des débuts, plutôt fait une forme de, bon, j'ai utilisé le mot, mais ce ne serait pas tout à fait juste, d'autocritique de son propre germanisme, il mettra à part comme Tristan Eliseux, pour lequel il gardera une sacrée admiration. Et Barrès, en fait, c'est ce que je disais tantôt, je crois, sent de plus en plus l'unité allemande, et sent de plus en plus que l'Allemagne se met en position de pouvoir vraiment écraser la France. Et je pense que l'anti-germanisme de Barrès à cette époque n'est pas à prendre stricto sensu comme un anti-germanisme vraiment intellectuel, même s'il revient sur ses attachements à l'Allemagne intellectuelle et philosophique, mais plutôt comme un engagement de militant, c'est celui de l'homme qui n'a pas envie de voir son pays être brisé par l'Allemagne, chose qu'on pourrait comprendre. Pour prendre un exemple plus contemporain, il y a pas mal d'Ukrainiens qui ont pu aimer Pushkin ou Gogol. Ils n'auraient pas certainement envie aujourd'hui d'entendre une valorisation de Pushkin et de Gogol. Donc Barrès, qui a pu aimer Hegel ou Henri Heine, n'a pas forcément non plus envie d'en faire une valorisation à ce moment. Et évidemment, la guerre se déclenche. Qu'est-ce que fait Barrès? En fait, sa réaction, ce serait une vraie réaction de militant. Barrès écrira des articles, comme tu l'as dit, journaliers. Ce qu'il fera, qu'on dira qu'il aura été le rossignol du carnage aussi, dans les autres colibets qu'on lui aura collés. Et en fait, comment faut-il voir ces articles? Son fils étant sur le front, pas forcément comme des articles de propagande, mais plutôt comme des articles de passation entre ce qui se passe sur le front à la population qui n'est pas au front. Et je crois que c'est ce qui compte le plus de cette période pour résumer, c'est à la fois l'aura internationale qu'a Barrès, il va faire une conférence à Londres où il écrit « Les traits éternels à la France » en 1916, et en même temps cette passation de l'information du front aux personnes de l'arrière. Et Barrès en fait développe de nombreuses critiques et en fait passe de nombreuses lettres de soldats. Il aura à cœur de recevoir des lettres de soldats. Je crois qu'il aura l'équivalent de 500 lettres par jour qui lui seront envoyées. Il essaiera de répondre à de nombreuses lettres ou alors il les fera publier pour montrer la réalité du terrain. Donc il aura vraiment un rôle de militant. Lorsque la guerre se termine, pour l'anecdote et pour montrer quelle situation sociale avait Barrès, le 11 novembre 1918, il est avec Poincaré. Ça montre à quel point il est assis dans le paysage politique français. Également, ce qui compte peut-être, c'est dans... Lorsque Barrès avait essayé de prémunir en fait la guerre, c'est de voir les bastions, enfin cette fameuse trilogie, les bastions de l'Est, et notamment de voir ce texte, le génie du Rhin. En fait, qui a été écrit après la Première Guerre mondiale. Qui a été écrit après la Première Guerre mondiale. Et le génie du Rhin est une tentative de voir les influences françaises dans l'Allemagne rhénane. A priori, on a plutôt envie de voir quelque chose de très chauviniste là-dedans, de voir, parce qu'il va mettre en fait en opposition la mauvaise Allemagne obscure, quelque part, des mythes et de la forêt noire, face au Rhin, qui lui est toujours influencé par la France, la natalité, qui est cette frontière entre les deux. Et justement, c'est la notion de frontière qui compte, c'est le Rhin marquant la frontière entre l'Allemagne et la France, marque aussi, aux yeux de Barrès, peut-être une possibilité d'avoir un tampon entre la France et l'Allemagne. C'est une sorte de pays rhénan. Rhénan, exactement. Et à ce titre, il y a quelque chose d'assez intelligent, tout de même, pour penser même l'Europe
dans le futur, pour peut-être pour éviter peut-être la Seconde Guerre mondiale, c'est de penser une politique des frontières, de penser de la politique de ces peuples qui sont entre les deux, qui partagent en fait des sensibilités communes, par exemple la France ou l'Allemagne, et de voir comment ces peuples servent de tampon identitaire en fait à ces deux blocs civilisationnels que sont pour Barrès la France et l'Allemagne. Et je trouve pas inintéressant que le Rhin ait été choisi par Barrès, ça nous fait penser à la Lotharingie, évidemment, à cette région qui s'est toujours trouvée au carrefour des deux entités qui auraient à bien des aspects, qui mériteraient à bien des aspects d'être valorisées pour servir de moteur à l'Europe, étant donné qu'elles partagent les aspirations des deux versants européens que sont la germanité et la latinité. Tout à fait. Et en tant que Belge, ça nous parle d'autant plus. Oui, tout à fait, évidemment. À la fin de la guerre, Barrès publie également un autre livre, bon, on peut en dire seulement quelques mots, mais c'est Les grandes familles spirituelles de la France, qui marque quand même une évolution dans son nationalisme, je dirais. Oui, tout à fait. Là où le nationalisme de Barrès était très discriminant avant, notamment sur le plan de l'antisémitisme, pour faire clair, l'expérience de la guerre, en fait, montre à Barrès aussi l'aspect plébiscitaire que pouvait avoir le nationalisme, à savoir que certaines communautés, des protestants aux juifs, hein, qui... Les protestants, les socialistes, les juifs... C'est ça, qui sont morts pour la France et qui sont morts en nationalistes à ses yeux pour la France, parce qu'ils sont morts pour défendre le pays. Et donc Barrès, en fait, va vouloir réintégrer ces différentes familles spirituelles dans la France. Pour lui, elles font toutes partie du projet France. Et il y a une évolution de son nationalisme à ce titre qui devient quelque part de nouveau plus ouvert, qui se réouvre là où il avait été très fermé avant, de plus en plus. Mais en tout cas, avec ce texte, Barrès ouvre de nouveau la France à tout un ensemble de communautés, dont les Juifs, donc il en fit ni, en fait, avec son antisémitisme. D'accord, très bien. Alors pour terminer, je voudrais aborder avec toi deux derniers livres de Maurice Barrès, parmi ses meilleurs, probablement. Tout à fait. À savoir La colline inspirée, qu'il avait écrit en 1913, et Un jardin sur le Ronte, qu'il a écrit en 1922, donc peu de temps avant sa mort. Commençons par La colline inspirée, qui est probablement le livre dans lequel la pensée religieuse de Barrès s'exprime le plus. Oui. Je sais que c'est un livre qui te tient très à cœur. Oui, qui m'a beaucoup marqué. C'est peut-être le livre le plus enraciné de Barrès, qui met à la fois en jeu ces deux dimensions, l'enracinement au foyer local, c'est la Lorraine dont il parle, la fameuse colonne de Sion-Vaudémont, qui est encore aujourd'hui un lieu de pèlerinage pour de nombreux Barrésiens. C'est ses origines les plus lorraines, et en même temps, il y a cette interrogation sur la foi, qui a bien des aspects, qui montrent l'ambivalence que Barrès a. Quand il commence son roman, il y a des lieux où souffle l'esprit. Je crois qu'il faut vraiment le comprendre comme étant à la fois un attachement à la spiritualité, un attachement à l'enracinement, une valorisation à demi cachée déjà du paganisme qui arrivera par la suite dans le roman, je vais m'expliquer quand je dis paganisme, et évidemment par la suite de la chrétienté. Barrès a écrit sur les églises chrétiennes et de la défense de la religion chrétienne, notamment les grands piliers des églises de France. Oui, c'est ça, notamment quand il s'est positionné en 1905 contre la loi de la séparation de l'église et de l'état, en disant que la religion chrétienne a servi et a fait partie de la tradition française, donc hors de question de se séparer du moindre bout de la tradition. De nouveau, autant il y avait la Révolution, il ne faut pas s'en séparer non plus, ça fait partie de l'histoire de France, autant on ne se sépare pas de la religion catholique, parce qu'elle fait partie de l'histoire de France. Mais autant dans La colline inspirée, à travers le drame des frères Bayard, Barrès montre aussi l'ambiguïté qu'il a par rapport à la religion chrétienne, notamment... À la fin de ce très beau texte, il y a le dialogue entre la prairie et l'église. En fait, la prairie représente les forces vitales, presque chthoniennes, de la terre, quelque chose qui ressemble vaguement à la sagesse dionysiaque de Nietzsche. Donc c'est quelque chose de très païen, en fait. On a un attachement pour la divinité locale, pour une divinisation du sol. Et en même temps, il y a l'église qui est là pour imposer l'ordre. Et Barrès fait dire à l'église et à la prairie, la prairie sans l'église explose, c'est un désordre, et c'est une ivresse permanente, donc il n'y a aucune direction qui est donnée à ça, et en même temps, l'église, c'est l'ordre, mais c'est l'ordre qui, sans cette vitalité de la prairie, risque de se dessécher. Et en fait, ce dialogue est présenté comme un balancement intérieur, même, de la part de Barrès. On ne sait pas lequel il choisit,
Faut-il choisir d'ailleurs ? Oui, faut-il choisir. C'est plutôt une dialectique entre les deux qu'il espère voir permanente. Et je crois que ça montre toute l'ambiguïté que Barrès a pu avoir sur la religion. Il n'y a pas de choix pour lui entre christianisme ou paganisme. C'est les deux. D'ailleurs, sur Jeanne d'Arc, qui est une autre figure qu'il aura fort à cœur, en fait, Barrès présente Jeanne d'Arc, qui est une sainte chrétienne, comme étant d'abord une fée du Rhin, une sainte Rhénane. Et par la suite, donc, une sainte chrétienne. Et il met les deux. Jeanne d'Arc représente vraiment cette harmonie qu'il essaye de penser entre paganisme et christianisme. Il y a tout à la fois les fées du Rhin dans Jeanne d'Arc, l'enracinement, et il y a tout à la fois la sainte chrétienne qui parle directement à Dieu. En fait, ce message montre bien aussi, je pense, la tension intérieure que Barrès avait entre son relativisme et son universalisme. L'universalisme de la religion chrétienne, mais c'est aussi l'ordre, et c'est aussi, quelque part, l'absolu qui a été le mieux formulé pour l'humanité. Et en même temps, il y a l'attachement local qui exprime la vie directe, la vie élémentaire. Je crois que cette élémentarité de la prairie et cet absolu doivent toujours se comprendre, en tout cas pour comprendre la pensée religieuse de Barrès, comme étant en recherche permanente l'un de l'autre. Mmh. C'est presque comme chez Nietzsche, en fait, entre l'apollinien et le dionysiaque. Il faut toujours qu'il y ait une structure, quelque chose d'un petit peu institutionnalisé, et il faut toujours qu'il y ait quelque chose d'un petit peu plus vital qui, justement, échappe à la structure. Tout à fait. Mais la pensée religieuse de Barrès ne se limite pas, n'a pas cette utilité sociale comme est là chez Maurras. Maurras, c'est vraiment l'église de l'ordre, même si Maurras a beaucoup de doutes métaphysiques. Mais chez Barrès, il y a vraiment cette idée, si je ne m'abuse, que le nationalisme tout seul manque d'absolu. Il faut lui ajouter quelque chose. Ça, c'est la grande phrase de Barrès. Il y aura le nationalisme manque d'infini. Et il aura, d'ailleurs, pour l'anecdote, il aura toujours sur lui un petit papier « J'ai soif » qui montre bien ce goût pour l'absolu. Et en même temps, c'est pas non plus, comme tu le dis, un absolu institutionnel, c'est-à-dire que c'est quelque chose de très local. En fait, à bien le lire, hein, Barrès fait vraiment penser au christianisme pagano-chrétien du Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'on a l'envie et la valorisation des saints locaux, et en même temps, il y a quelque part, vaguement, l'institution au-dessus qui chapeaute, mais au Moyen-Âge, les gens priaient leurs saints, et priaient sur la Vierge Marie, rarement autre chose. C'est à peu près pareil pour Barrès, pour simplifier. Donc en effet, on se distingue vraiment d'un Maurras qui pense À l'église. L'église. Oui. Pour Barrès, c'est la prairie en relation avec l'église. D'accord. Très bien, et alors, on va s'acheminer tout doucement vers la conclusion, mais je voudrais aborder un dernier grand livre, le livre par lequel tu as découvert Barrès, hein, tu l'as rappelé au début de notre entretien. On termine par là où on a commencé, évidemment. Un jardin sur le Ronte, qui est un roman, qui est un très beau roman, je trouve, très bien écrit, un roman d'amour. Oui. Un roman qui montre que malgré l'attachement nationaliste de Barrès, son engagement extrêmement fort, eh bien, il est resté malgré tout fasciné par le charme exotique de l'Orient. Tout à fait. Alors est-ce qu'il y a une contradiction entre ce Barrès amoureux de l'Orient et le Barrès enraciné dans sa Lorraine ? Disons que les contradictions font partie de la personnalité de Barrès, donc il n'y en a pas du point de vue de sa personnalité, il y en aurait peut-être du point de vue de quelqu'un qui aurait tendance à comprendre le nationalisme comme étant quelque chose de très très clos et fermé. En fait, Barrès écrit ce roman en disant qu'on m'a reproché d'avoir trahi quelque part la littérature pour me tourner vers la politique, et il retourne à ses premières amours. Et vraiment à lire ce roman, on a l'impression de retrouver le Barrès des débuts, tu l'as lu comme moi, et... Bon, il y a la maturité du style en plus, mais on retourne à cet aspect très onirique qu'on a au début. Et Barrès a toujours été un voyageur, comme je l'ai dit, il était amoureux de l'Espagne. L'Espagne, c'est très important pour Barrès, Venise, l'Orient aussi. Et donc même s'il retourne sur les traces d'Apollon, comme il le dit dans l'enquête au pays du Levant, donc, c'est-à-dire à la recherche de l'Europe, quelque part, d'une certaine manière, ou des traditions gréco-latines, Barrès reste fasciné donc, par cet Orient qui a bien des aspects manifestes de tout autre, parce que dans son roman, c'est une histoire d'amour où il met en œuvre l'amour entre un chevalier chrétien, un croisé et une princesse musulmane. C'est un roman qui a d'ailleurs beaucoup choqué à l'époque. Oui, qui avait choqué le milieu catholique. En fait. Tout à fait, qui trouvait ça absolument scandaleux. Même Paul Bourget, je pense, était assez gêné de ce roman de Barrès, il ne savait pas très bien comment le défendre. Oui, en fait, c'est un roman... esthétique, c'est un beau roman, et c'est un roman que Barrès écrit parce qu'il est tout le temps pris entre ce clivage d'enracinement et
quelque part de rêverie, d'imaginaire, et le voyage, pour lui, représente l'imaginaire à l'état pur. Et si Barrès pensait que le nationalisme manquait d'infini et d'absolu, c'est parce que lui-même aime bien quand même transcender les frontières. Et à bien des aspects, l'œuvre de Barrès, transcende les frontières internes à son œuvre, mais aussi externes, parce que lui-même aime bien jouer avec ses propres principes et ses paradoxes. Et Barrès n'a pas manqué avec cette œuvre-là. Tout à fait. Eh bien, au terme de notre conversation, je voudrais te poser une ultime question. Mm-hmm. Barrès est-il encore, selon toi, notre contemporain, celui qui vit avec nous à notre époque? Et en quoi peut-il être un éducateur, comme tu le notes dans ta propre conclusion, dans ton essai? Si j'ai voulu utiliser ce mot d'éducateur, comme tu le dis, c'est parce que je crois que Barrès, et à mes yeux, c'est le point le plus essentiel peut-être chez lui, en fait, met en œuvre dans ses romans une méthode, quelque part pour la conduite dans la vie, une méthode, comme le disait Léon Blum, qui amène une nouvelle éthique. Et ça va être très personnel ce que je veux dire, mais, parce que ce n'est que mon avis, mais je crois qu'on vit une époque très barésienne dans la mesure où nous sommes pétris de doutes aujourd'hui. On ne sait plus vraiment ce que veut dire tradition française, on est à la recherche d'une tradition. La tradition que l'on a, que l'on recrée parfois, même quand on est européaniste ou ce genre de choses, on est en train seulement de la formuler, de la fonder. Donc tout ça exige une méthode, une analyse, des principes directifs qu'on peut trouver chez Barrès. Barrès a fait ce chemin lui-même, a fait ce chemin de la racination quelque part. Et il nous le propose, il nous l'expose simplement à nous, qui sommes des jeunes hommes ou des jeunes femmes, un peu perdus parfois et en recherche. Le christianisme aujourd'hui, s'il revient avec la réaction plus traditionnaliste, qui peut être connue comme Academia Christiana ou ce genre de choses, ne fait pas encore l'unanimité dans la société. Et c'est difficile de s'y rattacher institutionnellement, parce qu'il semble que l'institution quand même trahisse à bien des aspects. Et puis, au-delà de ça, donc, beaucoup de doutes qui découlent de ça, et puis au-delà évidemment de ce doute plus politique, il y a aussi le doute métaphysique. Christianisme a quand même été mis en question par de nombreuses choses, et donc, dans quelle mesure s'y attacher? L'enracinement à bien des aspects dont la tradition a disparu dans beaucoup de régions en France, elle vit encore, évidemment, il ne s'agit pas de dire qu'elle est totalement disparue, elle vit encore, mais elle n'est plus aussi présente qu'elle a pu l'être à l'époque. La tradition ne forme plus la sensibilité des contemporains. Pour Barrès, ce qui comptait dans la tradition, c'était de voir à quel point elle formait la sensibilité des contemporains. Aujourd'hui, on vit vraiment une époque informée, liquide, et donc justement, on est en recherche de formation, d'éducation et d'élévation. Et Barrès nous montre tout ça, nous montre les drames des consciences qui ne s'élèvent pas, qui en restent au stade du nihilisme et du relativisme, et justement, quelque part, guide l'individu qui le lit, qui accepte de faire l'effort de le lire, parce que c'est un auteur très exigeant, vers une racination, vers, quelque part, un bouleversement des catégories relativistes, de la rationalité, pour une valorisation de la tradition. Magnifique conclusion, je trouve. Merci à toi pour la qualité de tes réponses durant cet entretien. Et merci à nouveau d'avoir accepté cette invitation, de t'être prêté au jeu. Aux auditeurs qui voudraient en savoir plus, qui voudraient approfondir la figure de Maurice Barrès, je les invite tout naturellement à se procurer et à lire ton ouvrage. Donc, je le rappelle, Maurice Barrès, le prince de la jeunesse, publié par la Nouvelle Librairie, dans la collection de l'Institut Iliade. Je mettrai un lien dans la description de la vidéo pour se le procurer. En plus de ton ouvrage, naturellement, conseillerais-tu d'autres livres pour découvrir Barrès, soit des livres de Barrès lui-même, pour commencer, pour s'initier à sa littérature, ou des livres sur Barrès, des biographies, des essais peut-être? Alors, de Barrès, pour s'initier à sa littérature, je conseillerais... Il y a la magnifique édition bouquin qui a republié chez Robert Laffont une grande partie des livres de Barrès. Bon, il n'y a pas tout, mais il y a les principaux. Oui, tout à fait. Une très belle édition pour le découvrir. Un parcours intéressant pourrait être de le prendre par le culte du moi et l'énergie nationale. Peut-être pas commencer par les déracinés, parce que souvent on commence par les déracinés, et par certains aspects, notamment par l'écriture assez emphatique, les déracinés un peu vieilli. Je trouve que, par exemple, Un homme libre a encore une certaine actualité. Il y a quelque chose d'un petit peu plus énergique dans cette plume-là. Dans L'ennemi des lois, entre autres, L'ennemi des lois qui n'est plus jamais presque lu, ou on n'en parle pas beaucoup, mais qui est un rouage essentiel de la pensée de Barrès. Et il faudrait lire aussi quand même
cette fameuse brochure qui a été La Terre et les Morts, qui est encore publiée chez Lern, qui donne quand même une bonne idée de la doctrine de Barrès sur l'enracinement, et surtout ne pas oublier La Colline inspirée, qui est un texte absolument très grand roman. Oui, c'est ça, qui est magnifique, superbement bien écrit et qui résume bien aussi l'enracinement de la pensée barrésienne, ses doutes également sur la pensée chrétienne. Et puis sur Barrès en tant que tel, si possible, il y a cette belle biographie donc d'Emmanuel Godot qui a été publiée récemment. Tout à fait. Moi, je n'ai pas lu celle-ci, j'avais lu celle de Yves Chiron. Celle de Yves Chiron, qui est très bien également. Est excellente. Yves Chiron qui a également écrit un petit livre sur Barrès et la Terre. Tout à fait. Qui est intéressant parce qu'il livre quelques anecdotes et il permet d'éclairer en fait le processus d'enracinement dans l'œuvre de Barrès. Et voilà, je pense que c'est déjà pas mal. C'est déjà bien pour découvrir Barrès, en effet. J'espère que cet entretien aura fait découvrir ce personnage, au fond méconnu, derrière une image très convenue qu'on peut avoir. J'espère qu'on aura contribué à le dépoussiérer. En tout cas, Jérémy Benton s'y est essayé dans son récent ouvrage. Donc je vous remercie à tous pour votre écoute. Et je vous dis à très bientôt, j'espère.